Bonsoir à tous, bonsoir Philippe Sella. Et bonsoir à tous. Canal Plus vous propose ce soir le carré VIP du top 14. Carré VIP avec Toulouse, Clermont, le Racing Métro, Montpellier. Bref, les quatre équipes qui partent à la conquête de ce fameux bouclier de Brennus. Le dernier carré du ballon ovale dans un fief du ballon rond. Oui, le stade Vélodrome de Marseille est laissé libre par l'OM de Didier Deschamps qui jouera sa dernière soirée de Ligue 1 à Caen dimanche. Stade Vélodrome, pour la première fois, vont se dérouler les deux demi-finales du top 14 qui vont accueillir plus de 110 000 spectateurs sur deux jours. Regardez, rappelez-vous ce tableau des phases finales. Toulouse, Clermont ce soir, Racing Métro, Montpellier demain aussi en direct sur Canal 16h25 avant la grande finale que vous suivrez avec nous samedi prochain au Stade de France. Toulouse, Clermont ce soir, c'est donc le grand choc des champions. Oui, les champions, les Toulousains sortis majeurs, on va dire, de promotion, les premiers de la phase régulière. On a un dispositif exceptionnel sur Canal pour cette soirée, notamment ces petites caméras que vous aimez bien dans les vestiaires pour voir les joueurs se préparer. Toulouse, premier de la phase régulière, 18e demi-finale consécutive, et Guinovès qui motive Jean Bouilloux. La concentration de Louis Picamol, de Thierry Dussautoir, le capitaine toulousain. Voilà, on va présenter ce match avec Toulouse pour commencer, et avec une info, Philippe, c'est là, l'info, c'est que Vincent Clerc est forfait. Oui, effectivement, il s'est blessé la semaine dernière lors d'un entraînement en opposition. Douleur aux côtes, il n'a rien de cassé, mais il ne peut pas jouer ce soir. C'est trop juste pour lui pour attaquer cette rencontre, donc il ne sera pas sur la feuille. Voilà, il est quand même présent ici au Stade Vélodrome, mais son remplaçant sera le fantasque fidjien Rupeni Sansoni-Boussa. Il est capable de tout, lui, le meilleur et le pire, on le sait. Oui, effectivement, le meilleur, puisqu'il a marqué pas mal d'essais sur cette fin de saison. Il est en forme actuellement, mais il peut être aussi très fantasque, comme on peut le voir là. Il essaie de faire une roulade en marquant, mais il a laissé échapper le ballon. Mais je pense que ce soir, ça peut être le franchisseur aussi pour le Stade Toulousain. Rupeni Sansoni-Boussa, un autre joueur à surveiller, peut-être même le joueur à surveiller côté toulousain, c'est Maxime Médard, l'ailier de Toulouse, l'ailier de l'équipe de France, qui est aussi le meilleur marqueur d'essais du championnat, avec 15 essais plantés depuis le début de la saison. Oui, c'est l'un des hommes en forme de Toulouse. Côté choix des entraîneurs maintenant, le choix des entraîneurs, eh bien, c'est Yannick Jauzion et Clément Poitrenaud, Philippe Sella, qui vont être ce soir associés au centre de l'attaque toulousaine. Oui, c'est vrai. Bon, ils ont souvent joué ensemble, mais il y a eu quand même beaucoup aussi de roulements chez les trois quarts centres toulousains. On pourrait rajouter Soso, justement, ou Florent Fritz, pour ne parler, sans parler des blessés évidemment de Yann David ou Lamera. Pour Clément Poitrenaud, c'est peut-être le joueur qui aujourd'hui est le plus entreprenant dans la ligne de trois quarts de Toulouse, celui qui attaque le plus les défenses adverses. Pour Yannick Jauzion, il a eu une baisse de régime, il n'a pas toujours été titulaire, mais ce soir il devrait trouver la fraîcheur nécessaire pour animer cette attaque toulousaine. Et on regarde, Philippe, en détail la composition de l'équipe du Stade toulousain. C'est parti. Première ligne, Johnston pilier droit, Servat au talonnage, Human pilier gauche. Deuxième ligne, Patricio Albacete, Romain Miloš-Luski. Troisième ligne centre, Louis Picamol, numéro 7, capitaine Dussautoir, numéro 6, Jean Bouilloux. La charnière avec le jeune Jean-Marc Doucet, associé à David Skrela. Au centre, donc, Poitrenaud, Jauzion. Aux ailes, Maxime Médard et Rupeni Sansoni-Boussa. À l'arrière, Cédric Emmans, toujours tout sourire. Et les remplaçants, finalement, trois avant, Lacombe, Poux, Falefa pour la première ligne, plus trois autres avant, Maestri, Sauverby et Nyanga, et enfin deux trois quarts que sont Nicolas Bézi et Florian Fritz. On parle maintenant des Clermontois, champions de France en titre, champions 2010, qui fort logiquement, au tirage au sort, ont gagné le droit de s'installer dans le vestiaire des champions de France 2010 de foot, l'Olympique de Marseille, reconnaissable au siège bleu et blanc. Clermont, cinquième année consécutive en demi-finale, et pourquoi pas la cinquième finale. Là aussi, on voit la tension sur les visages de Brock James ou de Morgan Parra, de Julien Bonner. L'info côté Clermontois, ce sont les deux changements opérés par les coachs par rapport à l'équipe qui a battu le Biarritz Olympique, avec le retour de Lionel Faure, pilier gauche à la place de Debatty, et d'Elvis Vermeulen en numéro 8 à la place du All Black Lowaki. Philippe Sella, l'homme, le joueur à surveiller
dans cette équipe de Clermont, indéniablement, c'est lui, c'est Morgan Parra. Oui, Morgan Parra qui a été déterminant lors de sa première année à Clermont, où, par sa maîtrise, par sa maturité déjà qu'il avait, la sérénité, il a mené le club jusqu'au titre de champion de France. Cette année, peut-être qu'il a eu un petit coup de fatigue par tous ces matchs à enchaîner de très haut niveau, mais il faut qu'il retrouve cette maîtrise, cette sérénité pour conduire son équipe. Et le choix des entraîneurs de Clermont, eh bien, on va se porter avec Vern Cotter sur Marius Joubert, le 3/4 centre Springbok, qui a la lourde tâche de devoir remplacer Aurélien Rougerie qui est blessé. Oui, c'est vrai qu'Aurélien Rougerie c'était le numéro 1, mais Marius Joubert n'a pas trop joué cette année, mais dans ce style de match il sera présent. C'est un joueur physique qui a toujours le geste juste, et puis il aime l'adversité. Ça m'étonnerait qu'il ne soit pas à la hauteur de l'événement. Mon cher Philippe, voici maintenant la composition de cette équipe de l'ASM, pour l'instant toujours champion de France en titre. Pilier gauche, Lionel Faure, Mario Ledesma au talonnage, Martin Selz au pilier droit. Deuxième ligne, Thibaut Privat, le capitaine, et Jamie Cudmore. Troisième ligne centrale, Vis Vermeulen, Alexandre Lapendry numéro 7, Julien Bonner numéro 6. La charnière, Morgan Parra, Brock James. Au centre, Gonzalo Canale, et aux côtés de Marius Joubert. Aux ailes, Wesley Fofana, Julien Malzieu. À l'arrière, Anthony Floch. Même tactique, 6 avant sur le banc des remplaçants, Zirakashvili, Tipolo et deux Bati pour la première ligne. Julien Pierre, Alexandre Dobersione, Loaki. Et enfin, 2-3 quarts, Kevin Seigneau et le Fidjien Mouri Valou. Une image directe avec Aurélien Rougerie, le capitaine blessé, qui est dans le vestiaire au soutien de ses partenaires. La bise avec Morgan Parra, il ne les lâche pas, il les a accompagnés. Et sans doute, sa présence est-elle très importante aux côtés de ses partenaires. On vous laisse vivre le couloir de Marseille avec les joueurs. Accompagnez-les. Qui s'ouvre pour laisser place à Thibaut Privat, Thierry Dussautoir, Toulousain et Clermontois. Voilà, c'est par là que sortent habituellement les joueurs de l'Olympique de Marseille. On a changé un petit peu les habitudes pour le rugby, pour une entrée en scène théâtrale dans un stade Vélodrome que les joueurs vont découvrir chauffé à blanc. Ambiance de rugby à Marseille ce week-end, tout au long du week-end, avec ce Toulouse-Clermont et demain Racing Métro Montpellier. Ce soir, c'est le choc des champions. Demain, les revenants du Racing 20 ans plus tard et les petits nouveaux de Montpellier pour la première fois invités à la grande fête des phases finales, à ce fameux dernier carré. Regardez ces images avec notre Spider Cam, caméra suspendue qui vous donnera avec les équipes de Laurent Dom des vues impressionnantes sur ce match. Voilà, ça y est, on y est, on a bataillé depuis le mois d'août pour rêver de conquérir le bouclier de Brennus. Voici les deux dernières journées, les demi-finales avant l'apothéose au Stade de France. Au sifflet ce soir, Jérôme Garcès. J'attends, tu m'entends ? 7, c'est bon ?
et la grande tension qui règne avant un match de phase finale. Beaucoup, beaucoup de concentration. Capitaine jaune. Toulouse, Clermont, coup d'envoi frappé par les Clermontois et leur demi d'ouverture, Brock James. Pour les demi-finales, ça y est, c'est parti avec un coup d'envoi frappé tout droit, bien haut par l'ouvreur Clermontois et réceptionné par Albacete, puis par les Toulousains avec Doucet. Bouillou. Les premières minutes vont être d'un engagement féroce. Doucet, Skrela va essayer de prendre l'intervalle. Attention, cafouille un petit peu ses ballons, on prend la pression, on recule comme du sautoir. Sous la pression des Clermontois, les Toulousains sauvent tout de même ce premier ballon. Servat en position de demi de mêlée. Skrela s'est placé dans l'axe. Premier ballon chaud à négocier par Jean-Marc Doucet. Skrela va s'appuyer sur Médard et pressé par les Clermontois. Médard a dévissé son coup de pied qui va atterrir dans les bras de Mario Ledesma. Le volley pour Floch. C'est le tour de l'arrière Clermontois d'être maintenant sous la pression de la défense. C'est parti comme on pouvait s'y attendre à 200 à l'heure. Morgan Parra à la manœuvre derrière ce regroupement. Côté fermé, la première charge de Lionel Faure, le pilier gauche de l'ASM. Parra, Celso, le pilier argentin. Les Clermontois qui ont prouvé contre Biarritz qu'ils étaient capables d'enchaîner de longues séquences de jeu pour mettre à mal leur adversaire. Percussion de Lapandry, bien repoussé par la défense toulousaine. Passe, ce sera sans doute du jeu au pied de Brock James. C'est fait, la première chandelle du match qui va retomber à la limite des 22. Premier ballon chaud pour Cédric Aymar, ça a rien de volé. Impeccable. Elle était trop longue. De l'arrière toulousain. Elle était trop longue, la première chandelle est très importante à récupérer. Allez, on va aller saluer nos hommes de terrain, monsieur Guillard, monsieur Guillemin. Ils sont deux ce soir dans les grandes occasions. Bonsoir la Guille, peut-être des infos sur le TOS. Oui, c'est l'info la plus importante de ce début de match, c'est que Toulouse, ayant gagné le TOS, a décidé de jouer contre le vent. Donc j'irai peut-être demander à Guinoves pourquoi. En tous les cas, le vent est assez présent. Voilà. Et Mans n'a pas trouvé la touche, permettant à Floch de lancer une attaque. On ne se comprend pas. James contré par le dos de Parral. Clermontois ont réussi à conserver ce ballon. Derrière. James pour son arrière, Anthony Floch, le coup de pied rasant qui va aller trouver la première touche du match dans les 40 mètres toulousains. Et l'occasion pour nous de saluer donc notre deuxième compère de bord de touche, Bertrand Guillemin. Salut Bertrand. Bonsoir messieurs, vous avez parlé tout à l'heure d'Aurélien Rougerie, il est là effectivement, il a eu un rôle prépondérant. L'autre homme qui est là, il est juste derrière nous, c'est Thomas Domingo qui est aux côtés de Pierre Mignoni, l'ancien Clermontois, et qui a mis un terme à sa carrière avec Toulon. Les deux hommes sont là, donc toutes les forces vives sont là, même blessés, tout le monde est derrière l'ASM. Merci Bertrand, effectivement Domingo, Rougerie sont les deux grands absents côté Clermontois de cette demi-finale. Premier lancé, William Servat, pris par Miloszewski, Doucet, Skrela. Ça joue un petit peu arrêté. Médard pris par deux Clermontois. Pas de main. Et le jeune Doucet titularisé derrière la mêlée toulousaine, comme c'était le cas en demi-finale de la Coupe d'Europe face au Leinster. Doucet qui prend l'intervalle, il a failli, il est tombé sur Cudmore, il résiste au puissant canadien. Human. Oula, cette balle est expédiée. Il n'y a pas de Clermontois qui va être menaçant, mais Evans est rentré dans son embut. S'en sort remarquablement et même amorce une relance avec Sonny Boussa. Sonny Boussa qui dépose Fofana, repris maintenant par le plaquage de Thibaut Privat. Ils s'en sont bien sortis là, les trois quarts toulousains, Aymans et Sonny Boussa. Doucet, Skrela, attaque au large avec Poitrenaud. Johnstone le pilier, plaqué par Faure, a quand même pu donner à Josion, puis Skrela encore. Les Toulousains ne sont pas encore allés dans le camp de Clermont, peut-être sur cette action avec la percée de Poitrenaud qui retrouve l'intérieur. Servat, c'est bien joué. Picamol est au soutien, la passe acrobatique de Servat, il n'y a pas d'en avant. Picamol qui arrive dans les 22 mètres et qui résiste au plaquage de Clermont. La première offensive dangereuse du stade toulousain. Doucet écarte sur Skrela. Skrela avec Maxime Médard. Médard pris par Ledesma. Mêlée ouverte avec un avantage en cours pour le stade toulousain. Doucet renverse. Lancé, c'est Josion qui arrive, qui passe les bras pour Poitrenaud, qui contrôle pas. Qui ne contrôle pas. Et première pénalité sifflée par monsieur Garcès, hors jeu en faveur du stade toulousain. Quelle action d'école de la part du stade toulousain.
Ils sont dans le match, on a vu énormément d'intensité dans les deux premières minutes de jeu. Et puis cette action qui arrive après une petite bévue de Dan Newman qui a fait une passe lobée pour son arrière. Finalement de la contre-attaque de cette relance de jeu. Il y a eu 90 mètres de fait. Sur l'image, Maxime Médard touché sur cette action alors qu'on revoit la passe hasardeuse de Dan Newman, c'est de là qu'est partie l'action. Voilà, avec un Cédric Eymans qui, par ses crochets, ses accélérations, arrive à défier les défenseurs. Et puis ensuite, c'est Sosoni Boussa qui dépose son vis-à-vis. Et l'équipe avance, continue à avancer avec toujours énormément de joueurs en soutien, avec du jeu dans le même sens, des joueurs qui viennent chercher les intervalles avec Clément Poitrenaud et surtout toujours du soutien dans l'axe avec même des passes acrobatiques comme ça. Mais l'action a pu durer très très longtemps parce qu'il y avait toujours eu un soutien dans l'axe, voire plusieurs joueurs. Maxime Médard s'est relevé, coup d'œil sur l'infirmerie. Donc on vous rappelle le forfait de Vincent Clerc pour Kerler, Vergalio, David ou Lamora ou Lekouls. Les choses étaient entendues, ils sont blessés, ils sont aux soins et ils sont forfaits, surtout pour ces phases finales. David Skrela face au poteau pour le buteur du Stade Toulousain, l'occasion facile d'ouvrir le score, ce qu'il ne manque pas de faire. Toulouse 3, Clermont 0. Une action d'envergure et on voit cette volonté de rendre le ballon disponible tout le temps. Yannick Joseon qui vient jouer dans un intervalle, qui avance malgré les défenseurs adverses. Seulement ensuite la passe n'a pas été suffisamment ajustée, mais que c'était difficile aussi, il y avait les défenseurs qui gênaient. Le renvoi de Brock James, c'est comme pour le Racing Métro. Demain, les Toulousains ont passé 3 semaines en avant de Bouillou. Récupération de Celso, Para, volley pour Vermeulen qui ne contrôle pas. Réussit quand même à donner à Canale maintenant. L'action se poursuit. Et Canale qui contourne la défense toulousaine. Repique vers l'intérieur, pris par 2-3 défenseurs du Stade Toulousain. Avantage en cours pour les Clermontois. Priva, Ledesma. Percussion de Ledesma sur Picamol. Et bonne conservation du ballon par l'ASM. Para. Vermeulen va tirer en pivot, il est pris, repoussé. Para James, Brock James combine avec Bonner. Bonner a failli prendre l'intervalle. Il peut donner à Malzieu. Crochet, feinte de passe de Malzieu, plaqué par Bouillou. Pas de main. Para choisit le côté fermé où se trouve Mario Ledesma. Jamie Cudmore, la charge de Cudmore, bien plaqué. Ouais. Para la elle ne pas franchir. La défense qui est bien en place. Touche ou pas touche? Oui, touche. Avec la défense toulousaine qui était bien en place, avec beaucoup de joueurs repositionnés. L'une des grandes questions de ce début de match, Philippe, c'est l'état de forme des Toulousains qui n'ont pas joué donc depuis 3 semaines. Ce sera le cas aussi des Racing demain qui ont été qualifiés directement pour les demi-finales. Ils ne sont pas passés par la case barrage. Oui, effectivement, il y a de la fraîcheur physique. C'est surtout sur le rythme qu'il peut y avoir certaines questions, évidemment. Mais après, les entraînements ont été effectués pour que, justement, il y ait de la vitesse qui soit surtout mise en avant dans les dernières semaines. Mais sur la fraîcheur physique, il n'y a aucun problème. Tiens, Thomas Domingo ici, aux côtés du futur entraîneur de Toulon des trois quarts, Pierre Mignoni, Doucet, Skrela. Josion va attaquer la ligne et prendre l'intervalle, il est passé Yannick Josion, Poitrenaud porte à hauteur, il est là, Clément Poitrenaud pour poursuivre cette action. Les crochets Sansoni Boussa pour le premier essai du match. Rupeni, Sansoni Boussa au terme d'une attaque d'école de la ligne de trois quarts du Stade Toulousain. On s'interrogeait sur leur état de forme, la réponse est cinglante, le Stade Toulousain en ce début de match est en pleine forme. Ils sont dans le rythme très très rapidement avec une combinaison des joueurs qui viennent en option. Yannick Josion qui prend l'intervalle, qui donne ce ballon à Clément Poitrenaud et qui retrouve Sosoni Boussa qui est venu de son aile avec des passes à hauteur pour essayer de gagner un peu de terrain. Des joueurs qui viennent chercher le porteur du ballon. On voit Yannick Josion qui lève la tête, qui va chercher son coéquipier Clément Poitrenaud qui a fait l'effort de venir converger sur le porteur du ballon comme Sosoni Boussa. Qui ne fait pas de cabriole là, il s'applique à bien aplatir ce ballon. La transformation que va tenter David Skrela. Quelle entame de match de Guinoves qui dit allez les gars, on se calme un peu. Bon, ils sont sur un temps fort. Rups,
but, c'est Sansoni Boussa, son diminutif, que hurlait Guinoves. On a du mal à faire passer les consignes, vu l'ambiance dans le stade Vélodrome. Un buteur gâté en ce début de match. Deuxième tentative, tout près, face aux perches pour David Skrela. Et le stade toulousain mène 10-0, s'il vous plaît. Alors que le match vient à peine de démarrer. En avant ou pas en avant, oh, entre Josion et Poitrenaud. Apparemment, il y aurait un en avant entre les deux centres. Avec Yannick Josion qui a pris l'intervalle. Des joueurs sont venus attirer l'attention des attaquants. C'est lui qui a eu l'intervalle, qui a retrouvé Clément Poitrenaud. Il semblerait qu'il y ait un léger en avant sur la passe entre les deux trois quarts centres. Et le jeu qui reprend avec ce renvoi de Clermontois. Pris de court, mais rappelez-vous, ils avaient été menés de 11 points par le Biarritz Olympique lors du match de barrage au stade Marcel Michelin avant de gagner le match. Pour l'instant, rien n'est fait, mais on va voir qu'en 10 minutes de jeu, eh bien Clermont a encaissé 10 points. Alors que les statistiques sont largement avantageuses pour les Clermontois. Et en demi-finale, ici même à Marseille, ils avaient écarté le stade toulousain en 2007. En 2009, ils les avaient aussi battus à Bordeaux en demi-finale. Entre-temps, Toulouse s'était imposé en finale. Le lancer de Ledesma, déviation de Cudmore. Canale attaque la ligne, attaque la zone du 10, la zone de David Skrela. Il est bien plaqué par l'ouvreur toulousain. La défense est haute du côté des Toulousains. Ils prennent les attaquants dans leur propre camp. Morgan Parra, Ledesma pour le coup de cisaille de Dussautoir. Ils sont assez resserrés les Toulousaines. James s'écarte, Joubert. Allez, Joubert va peut-être essayer d'aller défier une première fois la ligne toulousaine. Bien pris aux jambes par Skrela. Par la charge au ras de Priva. Par malgré Picamo, a réussi à donner à fort pour Malzieux. Perturbé par Poitrenaud, par la défense agressive des Toulousains. Para éjecte vers James. Bonner passe à Médard, affûte, pris. Para est au soutien. Interception limite de Toulousain. Et les Clermontois conservent le ballon. Avec une charge au ras d'Elvis Vermeulen. Cueilli à froid, Clermont, alors que l'on pensait en avant que c'était plutôt Toulouse qui aurait du mal à trouver le rythme en ce début de match. Sous l'œil soucieux de Verne Cotter, de Jean-Marc Lhermé. Cotter qui, depuis qu'il entraîne Clermont, a l'avantage sur le stade toulousain. Dans les rencontres qui ont opposé Cotter à Noves, vous voyez, 9 victoires pour le Néo-Zélandais, 4 victoires pour Guy Noves. Messieurs. Oui, la Guy. Oui, avec Guy Noves. Guy, pourquoi avoir choisi de jouer contre le vent cette première mi-temps? Contre le vent? Ouais. Ben, parce que, comme tu le sais, depuis... Qu'est-ce que tu aurais choisi, toi, en fait? Ouais, tu sais quoi, jouer contre le vent. Comme toi. Donc voilà, donc tu as la réponse. Tant qu'on est frais, on essaie d'être. On pense qu'on peut lutter défensivement, étudier le choc. Après, c'est plus difficile à la fatigue, donc si on peut avoir le vent. Tu veux dire que c'est une question con, en fait? C'est une question de notre niveau à toi et moi. Merci. Sa chambre sur le bord de la pelouse. Mais c'est la bonne humeur malgré la tension qu'il peut y avoir. Ouais. Touché. Stop. Mêlée, introduction de Doucet. Est-ce la première mêlée où il y a une bonne poussée? Le ballon a failli être gagné par les Clermontois. Il sera pour Toulouse. Doucet porte le ballon, lance un Josion perforant avec le relais de Picamol. Maintenant Picamol qui rafraîte au Brock James. Picamol en forme internationale, plaqué par l'horreur de Clermont. Doucet. Petite hésitation face à la défense de Clermont. Passe par le sol et Josion, on les sent en jambes les Toulousains. Charge de Dussautoir. Ils ont du ballon. Ça retourne bien vers son camp. Youman. Je pense que vous la touchez. Je pense que vous la touchez. Parce que Garcès a vu un en avant de Médard. Il a touché le ballon. C'est pour cela qu'il siffle. Allez, des Toulousains qui sont allés davantage chercher les intervalles, qui ont mieux attaqué les défenses, la défense de Clermont, alors que les Clermontois, dans leurs différentes attaques, ont eu un petit peu moins de vitesse et se seront retrouvés bloqués bien souvent par l'ensemble des Toulousains. Quelquefois, il y a eu des petits retours intérieurs, des crochets, mais la défense surveillait toujours à l'intérieur, dedans. Oh, belle image de cette mêlée. Ouais, sur l'occupation du terrain, ça ne reflète pas le score. Hein. Regardez.
Vous n'avez pas essayé. Ah, il sentait, bon. Alors, on rapproche un peu. Flexion. Toucher. Stop. Entrée. Ça s'appelle survoler une mêlée. Et on va la même la survoler une deuxième fois, puisqu'elle est à refaire. Oui. Les commandements d'abord. Ça lâche, monsieur. Encore, faire. Vous entendez les rafales de vent dans le micro de monsieur Garcès. Flexion. Toucher. Stop. Entrée. Non. Les Toulousains sanctionnés d'une pénalité. Là, on attaque. Et avec l'appui du Mistral, les Clermontois vont pouvoir aller s'installer dans la moitié de terrain toulousain. L'angle. Alors que l'on revoit cette très très belle image. Je crois qu'il y a une tentative là. Oui, et oui, la Guy, on voyait le ralenti. Et oui, parce que vous parliez du Mistral. Eh bien, oui. Anthony Floch, lui, il la sent de 60 mètres avec l'appui du vent. Bien. Le voici, le buteur de loin, spécialiste de loin, Anthony Floch, qui explique son pourcentage de réussite moyenne depuis le début du championnat. Il n'a pas le bon rôle, il tape de loin, donc il est à 50%. Et des fois de trop loin. Le Mistral va-t-il porter le ballon d'Anthony Floch jusqu'au poteau de Toulouse? Eh bien, oui! Il avait raison de prendre sa chance. Il avait passé une pénalité plus de 50 mètres en barrage contre Biarritz. C'est carrément de 60 mètres contre Toulouse. Toulouse 10, Clermont 3. C'est énorme ces coups de pied, 60 mètres, même s'il y a du vent, excusez-moi, faut le faire. Et voilà qui va redonner confiance au Clermontois dans cette entame de demi-finale. Les deux équipes qui se sont rencontrées au Stadium lors de la dernière journée du top 14, Vincent Clerc y participait et Toulouse s'était imposé 15-6. Et c'était anecdotique par rapport au résultat de ce soir, alors qu'il y a eu faute en l'air là sur un joueur de Clermont. D'où la pénalité que suit anxieusement Aurélien Rougeri, qui, on vous le rappelle, est sélectionné pour la Coupe du Monde. Il veut jouer le ballon. Et il soigne activement sa cheville. Vous le basculez, d'accord ? Pénalité, on arrête ça. Oui, c'est pas volontaire. Il y a un petit souci aussi avec Rupeni, Soussini Boussa, sur la droite, là, je ne sais pas ce qui se passe. Petit problème de cheville ou de genou. Alors, il y a un joueur toulousain qui est au sol, c'est Rupeni Soussini Boussa, qui a eu une petite alerte à l'entraînement hier. C'est pas grave, il se relève et on revient sur cette pénalité avec lancé en suivre pour Clermont sur les 40 mètres dans le camp de Toulouse. Formidable ambiance au Vélodrome, hein. Profitez-en quelques instants. Les supporters clermontois qui donnent de la voix pour encourager leur équipe. Reculez. Lancé Melio, Ledesma, alignement raccourci, ballon qui échappe des mains de Cudmore, ballon gâché. En avant, en touche, mêlée noire. Jamie Cudmore, le Canadien. Qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. Il est un peu accroché aussi. Allez, distance encore. Par Romain Miloszewski qui le déséquilibre peut-être légèrement et qui l'empêche de maîtriser ce ballon. On n'a pas parlé du match dans Flexion. Le match des numéros 9. Hein, Morgan Parra touché. Face à Jean-Marc Doucin. Stop. Doucin, le 9 de Toulouse, tout jeune, 20 ans, qui est sur la liste cachée pour la Coupe du Monde. On avait même évoqué sa candidature alors que Picamol relâche le ballon ici sur ce départ. Et ce sera l'une des clés du match. Comment le jeune Doucin face à la peine moins jeune que lui, Parra. Ah, c'est toutes les jeunes générations pleines de culots, très professionnelles, sympa. L'entrée, bien dans l'axe. Donc, l'image de cette entrée en mêlée à la super loupe Canal. L'effort, les muscles bandés de Julien Bonner. Cette fois, introduction Morgan Parra. Touché. Stop. Et avec Dimitri Yashvili, et l'un des deux élus pour le poste de demi de mêlée. Pour le mondial néo-zélandais. Il y a un combat en mêlée. Hein. C'est à toi, moi. Hein. Plus fort. La première mêlée un peu instable. Alors que ça s'est très bien passé jusqu'à présent.
avait ces liaisons très serrées, tous les joueurs touchés, pour qu'il y ait une véritable cohésion. Tarde pas un peu à introduire. Il y a une petite anecdote amusante, c'est qu'il y a Guinoves qui montre aux arbitres assistants qui montre le grand écran. Il leur demande de regarder le grand écran pour regarder la position du pied gauche de. Cette pratique des grands écrans, ça sert aux spectateurs, ça sert aussi aux entraîneurs. Souvenez-vous de Zidane. Hein. Flexion. Touché. Stop. C'est Toulousaine et les Toulousains qui gagnent le ballon sur l'introduction clermontoise avec ce départ de Picamon, la passe acrobatique pour Skrela, c'est bien joué. Et gros effort de la mêlée toulousaine. Pas et M. Garcès d'ailleurs va revenir à une faute de Clermont. La pression est noire. Cette faute en mêlée, pénalité pour les Toulousains. La pression est noire. Voilà, la mêlée. Ça peut être aussi un élément déterminant avec le temps, la fatigue qui pourrait désorganiser les organisations offensives ou défensives de l'adversaire. Là, il garde bien le ballon, David Skrela, parce que tout simplement, il y avait des joueurs qui avaient anticipé en défense sur ses coéquipiers. Cédric et Mans. On rappelle que les Toulousains qui ont donc terminé premier de la première phase ont choisi de jouer vendredi soir pour bénéficier en cas de qualification d'un jour de récupération supplémentaire avant la finale pour éviter aussi éventuellement un match sous une grosse chaleur, ce qui ne devrait pas être le cas demain après-midi pour Racing Montpellier. Et touche avec le talonneur de l'équipe de France, William Servat, sur les 22 des champions de France en titre. Prise de balle, Patricio Albacete. S'il vous plaît. T'es par aura de William Servat. Bonne charge. Doucet écarte. Skrela. Skrela pour Clément Poitrenaud qui réussit à transmettre. Poitrenaud, le voici. Repris par Fofana à 10 mètres à peine sous les poteaux de Clermont. Mêlée ouverte avec Doucet. Bouillou maintenant qui va se saisir peut-être de ce ballon chargé, épaulé par Picamol. C'est fait. Charles Bouillou stoppé par Queudemort. Nouveau temps fort du stade toulousain. Servat avec Youman. Ils ont décidé de relancer auprès là. Du sautoir. Ça du sautoir plaqué qui avance, qui s'approche de la ligne. Doucet à la manœuvre. Bon, ils vont certainement continuer. Ça marche, ça avance toujours. Séance de pick and go avec Picamol. Avantage encore, ils se sont mis à la faute les Clermontois et M. Garcès. C'est jaune. Sanctionne Thibaut Privat et Guinoves demande illico 3 points. 5 jaunes sur le côté. Quel effort de la part du pack toulousain. Ils jouent au près parce qu'ils avancent sur chaque impact. 5 jaunes qui rentrent sur le côté du rock. Ça les met en confiance encore un petit peu plus. Et puis avec les 3 quarts, ils arrivent à trouver quelques intervalles, même s'ils sont très très faibles. Mais ils arrivent à avancer avec notamment Yannick Josion et puis Clément Poitono qui viennent toujours à hauteur dans un bon timing. On va le voir là avec David Skrela qui donne pour Yannick Josion qui attaque la défense adverse qui va pas trop loin et qui donne à Clément Poitono qui est venu converger vers lui dans l'intervalle. Josion il a fixé de. J'ai comme l'impression que je vais faire mentir le sélectionneur de l'équipe de France. Josion est peut-être ce soir. Encore une fois David Skrela en très bonne position pour redonner peut-être au stade toulousain les 10 points d'avance qu'il avait avant la pénalité de Floch. Skrela, hein, qui, vous le savez, sera clermontois la saison prochaine. Il a signé pour 3 ans à Clermont. Et il ajuste cette nouvelle pénalité. Toulouse 13, Clermont 3. Eric, en compagnie de Franck Azema pour faire le point après 20 minutes, Franck. Franck, le champion de France est ballotté, malmené. Est-ce que c'est votre avis 13 à 3? On sent les Toulousains plus incisifs. Il n'y a rien à dire. Il n'y a qu'une équipe pour l'instant sur le terrain. On subit sur chaque impact. On n'a pas l'initiative. Donc c'est logique au vu des 20 premières minutes. Il n'y a rien à dire. Merci, Franck. Il n'y a qu'une équipe sur le terrain. Hein, diagnostic sévère. Là-bas derrière. De Franck Azema, l'adjoint de Verne Cotter. Albacete.
Vous avez vu, ils avancent sur chaque impact. Poussin par-dessus, c'est bien joué de la part du jeune demi-mêlé. Ça va tirer dans les bras d'Anthony Floch, l'arrière de l'ASM qui relance. Il est en canne lui aussi, mais bien repris par Skrela. Oh, il y en a qui ont peut-être... Ah, c'est un ballon gardé au sol. On libère pas le ballon. Pénalité. On va voir Anthony Floch qui contre-attaque. Jean-Marc Doucin est là. Effectivement, il a les mains sur le ballon. Mais il n'arrive pas à le récupérer parce que ce ballon a été gardé 2-3 secondes. Oh, sous les yeux de Didier Deschamps, grand amateur de rugby, l'entraîneur bâillonnais de l'OM qui s'est qualifié pour la Ligue des Champions, mais qui fait aussi l'actualité parce qu'il pourrait quitter Marseille. Il est très demandé en Angleterre, en Italie, à Chelsea, la Roma, on ne sait pas trop. Allez, on revient sur le regardez, rugby. Regardez une stat avec la possession dans les 22 adverses. Pas une seconde pour Clermont, pas une seconde. Ballon en main pour les Clermontois alors qu'une 24 pour les Toulousains et les Toulousains qui jouent contre le vent sur ce premier acte. Lancé Servat, milieu d'alignement, la déviation d'Albacete, bien anticipé par les Clermontois pour la récupérer. Puis Bouillou qui a intercepté encore. Ballon gagné puis perdu. Récupération toulousaine, Toussaint. Non, là, sortez, jaune. Et revoici les Toulousains dangereux dans les 22 avec la charge au ras d'Albacete. Dans les 22 de Clermont. Ouais, et à la faute, c'est un ballon gardé au sol. Effectivement. Super. C'est Patricio Albacete. On garde le ballon au sol. C'est la même faute que là-bas. C'est Lionel Faure qui était le premier pour récupérer ce ballon. Seulement, l'Argentin l'a gardé. Donc, comme tout à l'heure, on l'avait vu avec Anthony Floch, c'est une pénalité. Partout hein, entre les deux équipes cette saison, chacun a gagné à domicile. Aurélien Rougerie paisible. Il y a juste un dossier sur lequel Clermont a pris l'avantage sur Toulouse cette saison, c'est un dossier de transfert sur les All Blacks qui vénit Sivi Vatou, que les deux clubs convoitaient et qui finalement portera la saison prochaine les couleurs de Clermont, l'une des grosses recrues du marché des transferts. Lancé pour Mario Ledesma. Ledesma, 37 ans. Dernier match avec l'ASM, cette demi-finale ou éventuellement la finale la semaine prochaine. Pour Super Mario qui trouve ici Jamie Cudmore. Déviation, interception de Johnston à la bande du sautoir, vu par Monsieur Garcès. La conquête clermontoise fait partie des points noirs de ce début de match. Ouais, ils ont quelques difficultés. De l'imprécision, mais qui fait le bonheur des Toulousains. Clermont qui n'arrive pas à mettre le rythme habituel. Enfin, le rythme et surtout la vitesse. La vitesse dans le jeu, la vitesse dans les interventions, dans les courses. Ça fait que la défense est toujours présente, bien présente et organisée du côté des Toulousains. Pareil, on sort bien les épaules. Mais l'introduction Morgan Parra. Sortez l'épaule, Jean. Sortez. Bon, je vais ici alors. Sortez-la bien. Flexion. Touchez. Stop. Entrez. Il est obligé de la faire refaire cette mêlée, monsieur Garcès. Bon. Celle-là, s'il reste debout, les deux, ça, c'est bon. Alors que Dan Newman, le pilier gauche de Toulouse, voilà, met un peu de temps à se relever, c'est fait. On reste avec l'arbitre et le son de son micro. Flexion. Non. Touché. Stop. Après. Voilà, c'est bon là. Ah. James, on combine avec Joubert qui n'échappe pas au plaquage de Poitrenaud. Parra joue sur le fermé. Vermeulen pour le coup de patte de Gonzalo Canal et le grand pont. Il a failli chipper ce ballon à Poitrenaud. Il y a un en avant. Il n'a pas contrôlé, il a commis un en avant. Je crois même que Canalet a réalisé un exploit technique très difficile puisqu'il s'agit en fait d'un petit pont.
petit pont même. Ah, ça mérite le ralenti. Si on a le temps, parce qu'on n'a pas le temps de passer beaucoup de ralenti, tellement il y a de rythme. Là, je le sens bien, le ralenti du petit pont. Voyons ça. Bien vu. Ah, oui. Entre les jambes de Cédric Emans. La dernière, elle était bien. Le genre de geste que Didier Deschamps doit apprécier. Il aurait fallu qu'il récupère le ballon pour qu'il soit totalement réussi. Et vous savez que Canale est très copain avec un joueur de foot italien qu'on n'aime pas beaucoup en France, puisque c'est Marco Materazzi. Ah, on va se rappeler pourquoi on l'aime pas. Non, on va pas le faire. Champion du monde. En plus, il n'avait pas été correct avec un Marseillais. L'introduction, la pole poussée du pack toulousain. Cette mêlée qui part en crabe. Pénalité pour Toulouse. Ouais. Toute la première ligne et le 6 jaune. Regardez la main, s'il vous plaît. Regardez la main. Oui. Mets la main, il se répète. Allez, s'il vous plaît. Mets la main. Je regarde. Vous prenez la pression. Ils ne sont pas les Clermontois dans cette première mi-temps. Je regarde. Comme ils n'y étaient pas non plus face à Biarritz en barrage. Moi j'avais l'impression que c'était les Clermontois qui avançaient sur cette mêlée. En tout cas, ils ont été sanctionnés. Et David Skrela va ramener le jeu légèrement dans le camp. En même temps, il sanctionne aussi Julien Bonner, qui s'était levé bien avant tout le monde. Mais bon, je vais pas regarder l'écran. John Alomou, qui commande pour une télévision étrangère dans la tribune de presse. John Alomou, qui habite à Marseille, la légende du rugby All Black, qui avait signé au stade Fosséen. Prise de balle d'Albacete, d'où se lance l'attaque. Skrela. Sofoni Boussa arrivé lancé, il a oublié le ballon, il n'a pas réussi à le contrôler. En tout cas, récupération et contre des Clermontois avec ce coup de pied à suivre de Morgan Parra, Cédric Emans ou Maxime Médard. C'est Médard plaqué. Qui échappe à deux, trois plaquages, poursuit au pied. Ça peut être très dangereux maintenant. Anthony Floch sera sous la pression et acrobatiquement, l'arrière de Clermont dégage son camp. Il s'en sort bien. En fait, Jonas Lomou, il est en train de communiquer avec De La Sao, vous allez voir, parce que si vous regardez après le ralenti, De La Sao, il est... Enfin voilà, je sais pas. Il y a un bon ralenti de Maxime Médard. Oui, c'est ça, quoi, c'est je suis en train de voir sur le... Maxime Médard, par ses crochets, sa vivacité, qui a réussi à passer 2-3 défenseurs. Voilà, Villimoni De La Sao, casque sur les oreilles. Oui, on ne sait pas ce qu'il écoute, d'ailleurs je peux peut-être lui demander. Le Fidjien qui était annoncé sur le banc, mais c'était une des ruses des entraîneurs de Toulouse, qui finalement ont préféré mettre un avant supplémentaire dans la personne du Sud-Africain Shaun Sauverbe. Milutchowski qui a pris ce ballon. Demi-heure de jeu ici au stade Vélodrome. 13-3 pour le stade toulousain. Un essai aplati par Rupeni Sansoni Boussa. Servat. Comme c'est d'habitude, le talonneur de l'équipe de France et de Toulouse avance et franchit la ligne d'avantage. Récupération de Cudmore. Non, à la faute. À la faute, deuxième ligne canadienne. Pénalité contre le vent. Elle sera dure à tenter pour le buteur toulousain sans doute. Pas la prendre, est-ce qu'elle est là ou pas? Elle est quand même contre le vent. Les Toulousains qui se sont mis au vert à Aix-en-Provence toute la semaine pour préparer ce match. Allez-y. Et c'est immense avec son pied gauche. On va l'attendre à la touche. Ses derniers matchs avec le stade toulousain avant de rejoindre la saison prochaine l'aviron bayonnais, mais surtout de disputer la Coupe du Monde. La touche est sauvée, il ne l'a pas trouvée. Anthony Floch sauve cette touche et lance Malzieu. Julien Malzieu, lui aussi, il a des fourmis dans les jambes. Ils sont un petit peu sevrés de ballon depuis un petit moment. Les Clermontois vont-ils réussir à réduire le score dans cette fin de première période? Touche, la touche sera en faveur de l'ASM. Pierre Souleil, du président du Racing Métro. Jacky Lorenzetti à ses côtés, à sa droite. Michel Caco, le président de l'Aviron Bayonnais. Jacky Lorenzetti, il a l'air tendu. Il est déjà dans le match demain. Il opposera à Montpellier sur cette même pelouse. Grand week-end de rugby, palpitant. Ledesma. Déviation, ballon capté finalement par Thibaut Piva, capitaine de l'ASM en l'absence de Rougerie. Bonnet. Stoppé par Johnstone, réussi à donner à part James. Joubert. Marius Joubert attaque la ligne. Échappe à Josion, passe Créla. Para pour Anthony Floch. Toujours beaucoup de joueurs en défense qui se replacent, très disponibles, qui
qui gêne énormément les Clermontois. Peut-être sur ce ballon, James, avec Thibaut Privat, son capitaine. Morgan Parra, même sens. Brock James retrouve intérieur. Fofana n'arrive pas à transpercer, n'arrive pas à franchir. Parra. Ah, au large. James peut-être sur ce renversement maintenant avec Anthony Floch. Canale retrouve son arrière. Le ballon rebondit jusqu'à Ledesma. Pas d'un avant. Brock James face à Sosoni Boussa. Choisit de passer par le sol. Parra. Reviens, mon canard, reviens. Charge de Cudmore. Il a reculé. Est passé par là. Et pour faire reculer Cudmore, belle passe de Joubert pour Ledesma. Non. Vermeulen. Et voilà une réaction des avant-clermontois. Oh, avec ce déblayage qui aurait pu profiter au Toulousain. Non, ils se sont mis à la fin. C'est bon, mais pas de la mer. Un peu plus de vitesse, bon, davantage de soutien pour continuer l'action, même si là, il reste sur le côté où il y a beaucoup de joueurs. Ils ont réussi à trouver quelques solutions pour avancer tout le temps. Trio présidentiel, René Bouscatel, Pierre-Yves Revol, président de la Ligue, René Fontes, le président de Clermont. Il y a autant de tension dans les tribunes que sur le terrain. Ils essaient de rejouer avec les avants et les Clermontois autour. Mais que la défense est solide du côté du Stade Toulousain. Même s'ils reculent là sur cette action, ce qui les met à la faute. Généralement, ils ont été très solides. Ils ont mis sous pression plutôt l'attaque adverse. Et Morgan Parra va tenter cette pénalité à 6 minutes de la fin de cette première période ici au Stade Vélodrome. Le buteur de Clermont, décisif dans les grandes occasions, va essayer de réduire le score. Parra qui tourne à 72,7% de réussite depuis le début de cette saison. Trajectoire qui va passer, oui, au-dessus de la barre. Clermont réduit le score. Toulouse 13, Clermont 6. Et malgré la domination toulousaine, Clermont reste au contact. Il reste au contact. Elle était importante, cette pénalité. Avec un vent peut-être qui, avec la nuit arrivant, va se calmer en deuxième mi-temps, qui n'avantagera peut-être pas tant que ça les Toulousains. Il reste malgré tout au contact les Clermontois sur des Toulousains qui ont été très entreprenants et très combatifs sur ce premier acte. Scrella, hop, ça sent le direct en touche, ça avec le pied de Parra, direct en touche. C'est bien joué de la part de Morgan Parra. Il a vu que le ballon allait arriver vraiment très près de lui. Sur ce coup de pied tendu de renvoi. Il a mis le pied en extension à l'extérieur, hors des limites de jeu. Deux touches directes, mêlées pour les Clermontois. Et plein centre. Introduction, Morgan Parra, 4 minutes de la fin de cette première période. Avec l'appui du vent, Clermont est mené. Flexion. Touché. Stop, entrée. Cette pénalité à refaire. C'est comment l'impact. Ils sont coulés. Ils sont trompés. Il y avait un pied gauche comme il se couche. Il rentre à vanne d'abord. Je ne sais pas s'il ne voit pas là. Là, soutien de combien de voir. Flexion. Touché. Stop. Après. Là, elle est bonne. Ouais, celle-là, elle est bonne, même si elle tourne. Vermeulen va réussir à extraire ce ballon. Départ du troisième ligne centre de l'ASM. Morgan Parra pour Floch. Canale. Gonzalo Canale attaque à la ligne. Il est bien plaqué par Servat. Parra pour le renversement d'attaque. Un peu, la Pendry, un peu devant. J'allais dire à la limite de l'an avant. Oui. C'était un an avant. Il était un peu devant. Assez rare de la part d'Alexandre Lapendry qui a toujours la justesse dans son déplacement pour arriver à récupérer un ballon déjà avec une certaine vitesse et accélérer derrière pour créer de l'incertitude dans la défense. On voit Canale qui essaie de trouver, bon, qui hésite un peu mais par ses petits appuis, mais qui essaie de trouver les intervalles. Mais il y a toujours deux défenseurs sur un Clermontois. Les commandements, on se remet au commandement maintenant. Attends, attends, attends.
Flexion. Touché. Stop. Après. Il décide cette fois de pénaliser les Toulousains, monsieur Garcès. Pénalité 40 mètres. Ah, vous plongez, vous plongez. On se dit pas, on plonge. Peut-être un problème de liaison. C'est ce qui explique l'arbitre. Sûr que ça influera sur cette décision là et Morgan Parra va la tenter. On va voir, effectivement il n'arrive pas à rester sur ses appuis, il manque la liaison. On va voir cette liaison. Alors est-ce que dans la liaison il y a quelque chose de filou un petit peu? C'est Sanctus Johnston, le pilier droit samoan qui a été sanctionné. Allez, les Clermontois s'attachent à tous les signes qui pourraient leur permettre de penser qu'ils peuvent conserver leur bouclier de Brennus. Par exemple, comme la saison dernière, les espoirs du club ont été sacrés champions de France cette semaine face à Toulon. Comme la saison dernière, un volcan islandais s'est remis à exploser en éruption avant les phases finales. Et les volcans en Auvergne, vous savez qu'on y voit des signes. Morgan Parra peut ramener son équipe à 4 petits points des Toulousains. Juste avant, les Citrons, ce coup de pied de demi de mêlée internationale qui heurte le poteau. Attention, ah, dessous, avec un cafouillage toulousain. Cafouillage général même, et M. Garcès qui va accorder une mêlée introduction clairement. Oui, la mêlée va être jouée, il reste 30 secondes. Yes. Un moment d'inattention. Control your body. Petit relâchement, ce ballon qui vient heurter le poteau. Pourtant, il était... tourné vers son camp, mais il a peut-être voulu anticiper déjà dans sa course pour partir alors qu'il n'avait pas encore le ballon dans les mains. Et Sosoni Boussa offre une nouvelle chance à l'ASM. Introduction Morgan Parra, mêlée à 5 mètres de l'embut toulousain. Allez, à position du pilier gauche. Allez, c'est bon. La sirène qui retentit. Dernière action de cette première période. Flexion. Touché. Sortez-moi cette épaule, là, s'il vous plaît. Vigilant sur les positions, voilà. Monsieur Garcès. Allez, on a la distance, c'est bon. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Poussé, ça tient dans le ballon, dans les pieds de Vermeulen. Il sort ce ballon, mais ceinturé par Doucet. Par du sautoir, il est refoulé. Et les Toulousains vont-ils remettre la main sur ce ballon? Non. Ils ont subi une grosse pression là. Le ballon qui a été maîtrisé. Avec un redémarrage maintenant, avec les gros, les avant. Départ de Vermeulen. Dernière action de cette première période. 13-6 pour le Stade Toulousain. Fini, levez les mains. Ils vont essayer de chercher la faute, ils vont jouer au près. Ils savent se montrer patients près de la ligne, les Clermontois, ils l'avaient prouvé face à Biarritz. Peut-être pour 3 points, non? Non, non. Par la carte, James Fofana, James contré par Skrela, pas d'en avant. Le ballon est toujours pour les Clermontois, mais ils ont encore reculé. En avant noir, avantage. Et peut-être un floche pour se mettre en position de drop là, non pas pour l'instant sur cette action. Morgan Parra, Tony Floch, il n'est pas en place pour le drop. Alors il sert Gonzalo Canal et qui essaye de rafuter Josion. Ah, pris par Yannick Josion. Et c'est un touche. Et ce sera donc la fin de cette première période sur ce score de 13-6 en faveur du Stade Toulousain. Et voyez, on a suivi la fin du match de la première mi-temps déjà dans les vestiaires. Lhermé, Elissalde. Allez, on raccompagne tout le monde et on va avoir avec Bertrand, avec Laguille, quelques réactions avant de retrouver les joueurs dans les vestiaires et de vous parler de la Coupe du Monde sur Canal à la mi-temps. Eric, en compagnie de Julien Bonnaire, qu'on va raccompagner tranquillement en marchant. Julien, est-ce que vous vous sentez dans le coup? Est-ce que cette deuxième partie de première mi-temps vous satisfait? Non, parce qu'on perd trop de ballons et on joue pas assez. On les regarde un peu jouer, on fait trop de fautes et voilà, ça suffit pour qu'ils soient devant au score. On manque des premiers plaquages. Et face à eux, on sait que ça pardonne pas, quoi. Il va falloir se remobiliser là-dessus. Merci Julien. Est-ce que Laguille est au relais? Toutes les photos sur le site, assurément rugby.com et votez pour le site.
le stade Vélodrome de Marseille où se déroulera aussi demain l'autre demi-finale du top 14 entre le Racing Métro et Montpellier. Les Montpellierains sont venus repérer la pelouse sur laquelle ils n'ont jamais joué ce matin, Fulgence Ouédraogo et ses partenaires, pour la première fois de leur histoire, de leur jeune histoire. François Trinduc en demi-finale du top 14, sixième de la saison régulière. Julien Thomas, grosse grosse saison des hommes de Fabien Galthié, d'Éric Béchu, qui défieront donc demain ici même le Racing Métro. Et l'info de la semaine, vous la connaissez, Sébastien Chabal sera là. Sa sanction a été réduite en échange de travaux d'intérêt général et notamment de participation à l'arbitrage de plusieurs matchs de jeunes. Chabal qui avait emporté du sautoir ici lors de la belle victoire du Racing au Stade de France face au Stade Toulousain, sera remplaçant dans l'équipe fabriquée par Pierre Bermizier, Simon Manix, pour ce grand choc demain, 16h15, en direct sur Canal. Philippe Sella, on revient, on analyse cette première période et notamment le seul essai pour l'instant de ce match. Oui, avec la palette préparée par Thomas Glavany dans notre cœur. Une touche, un lancement de jeu, le ballon qui arrive rapidement sur David Skrela. Deux joueurs viennent en option à hauteur, c'est Thierry Dussautoir et Louis Picamol. Et en fait, le ballon va passer entre les deux joueurs. Et c'est Yannick Josion qui est juste derrière, qui va passer derrière Louis Picamol pour prendre l'intervalle, le petit intervalle. Ensuite, on voit qu'il y a un effort considérable qui est fait de la part de Clément Poitoneau pour venir à hauteur, converger. Il est tellement à hauteur qu'il est un peu devant. Peut-être un peu devant. Et puis l'effort aussi de Rupeni Sosoni-Boussa qui était très très loin de l'action et qui est venu lui aussi chercher son attaquant. Sans ça, il n'y aurait peut-être pas eu essai. Donc ça veut dire cette disponibilité des joueurs, cette réactivité pour qu'à chaque fois ils puissent venir en soutien récupérer le ballon. En plus de la palette, Philippe, il y a une petite stat. Sur les stats, on avait, je ne sais pas si on avait le temps de faire. Ouais, en raccompagnant les joueurs dans le couloir, sans doute. Donc sur les touches, il y a eu 4 lancers pour les Clermontois. Ils en ont, il y a 50% de déchets pour les Clermontois. Hein. Ça fait beaucoup, beaucoup, quelques soucis. Alors qu'à Toulouse, ça va quand même beaucoup mieux. Ensuite, sur les plaquages, beaucoup, beaucoup de plaquages manqués. Et donc, ça fait 17%. C'est ce qui a manqué un petit peu au Clermontois aussi pour enrayer davantage les différentes offensives, les duels joués aussi par notamment la paire de centres qui a été plutôt performante du côté des Toulousains. Un Yannick Josion qui est allé chercher la ligne, qui a avancé, et un Clément Poitrenaud, lui, qui est venu jouer à hauteur, qui a fait la différence par la suite. On rappelle le score, 13 à 6, 7 points, oui, laissé transformer entre les deux équipes. Alors, le Stade Toulousain, champion d'Europe l'année dernière, va-t-il retrouver la finale du championnat 3 ans après son 17e et dernier bouclier de Brennus? Ou l'équipe de Clermont va-t-elle réussir l'exploit de se qualifier pour une 5e finale consécutive? Seul le grand Béziers a fait ça dans les années 70. Champion en titre, les Clermontois. Le dernier doublé, c'est le Biarritz Olympique 2005-2006. Noves ou Cotter en finale, réponse dans 40 minutes ou plus, y affinité. Le coup d'envoi frappé par David Skrela. Maintenant, les Toulousains sont avec l'appui du Mistral et c'est Fofana contre le vent donc qui dégage ce premier ballon. Et apparemment, il y a toujours pas mal de vent. Hein. Eh oui, il y en a encore. Hein. On il rappelle est présent depuis le début, hein, quand même. Hein. Et surtout en hauteur. De on élève le ballon, forcément, il est très vite freiné. On rappelle que les Clermontois ont vécu une saison difficile et après ce bouclier de Brennus, à 3 journées de la fin du championnat, il n'était même pas sûr d'être qualifié pour les phases finales. Finalement, ils ont reçu Biarritz à domicile lors du barrage. Ils sont qualifiés pour les demi-finales. Vont-ils pouvoir réussir à conserver leur titre? Pour cela, il leur faut remonter ces 7 points de retard face au Stade Toulousain. Jean-Marc Doucin, l'un des jeunes les plus prometteurs du rugby français, laisse à Picamol le soin de sortir ce ballon. Dussautoir pour un Skrela arrêté, chassé par la défense de Clermont qui la contourne et qui accélère. David Skrela bien joué, plaqué par Morgan Parra. Toussaint gêné dans sa passe mais transmet quand même à Dussautoir. Les Toulousains avaient réussi une énorme entame de première mi-temps. Il y a eu un en avant. Clermont doit sanctionner, sifflé, ou signalé plutôt par M. Garcet. Serve à Toussaint. Poitrenaud face à James, bien pris aux chevilles par l'ouvreur australien de Clermont. Picamol arrêté lui aussi, mais qui avance, mis au sol par Cudmore. Doucet écarte
La passe finalement atterrit sur Sensus Johnstone avec un gros bandage à la cuisse qui va peut-être perdre ce ballon qui lui est arraché par les Clermontois. Récupération Ledesma. Cudmore plaqué par Doucin. Et Morgan Parra peut alerter. Floche. James. Restez là. Coup de pied d'occupation dans l'axe vers les 22 de Toulouse où se trouve l'arrière du stade toulousain, Cédric Emans, qui a juste un magnifique coup de pied poussé par le Mistral et ramène les Clermontois dans leur camp. Messieurs, premier changement pour Clermont pour le champion de France, puisque Martin Celso, l'Argentin, va laisser sa place à David Zirakashvili, le Géorgien, en première ligne pour l'ASM. Merci Bertrand. On va signaler que Clermont a un banc à la Toulousaine, un banc des remplaçants ultra gaillards. Zirakashvili qui rentre, mais on va citer le talonneur Tipaolo, Vincent Debatti, Julien Pierre, l'international, ou Sionello Aki, notamment devant. Il y a du lourd, il y a du très lourd. C'est qui pourrait permettre à l'ASM de faire basculer ce match. Lancer Ledesma, capté par Privat. Vermeulen charge dans l'axe du puissant troisième ligne centre qui tient debout, qui résiste avec l'appui de ses compères du paquet d'avant. Cudmore va remettre les mains sur ce ballon et en remettre lui aussi une petite couche au ras. Ledesma dans l'axe aussi, pour l'instant bien contenu par la défense du stade toulousain. Ça ferraille et les Clermontois vont essayer de jouer en avançant, ce qui n'est pas le cas là pour l'instant. Ils subissent un peu. Ils se sont organisés autour de Julien Bonner. Vermeulen s'arrache, essaye de rafuter Miloš Luski. Ouais, mais s'arracher tout seul comme ça, partir, voilà, il est sous pression tout le temps. Pas de mer. Derrière les pieds. Morgan Parra place de la mer. Cudmore pour finalement donner à James. L'attaque au large. Joubert. Marius Joubert feinte la passe, cherche l'intervalle, il est plaqué. Parra renverse l'attaque avec Zirakashvili, ballon qui rebondit sur la poitrine du Géorgien contre Toulouse maintenant avec Doucin qui est pris où Emans, attention au crochet de Cédric Emans qui n'arrive pas à se lancer. Nouveau donc turnover comme on dit dans le jargon. Médard dans le trou accéléré. Père s'est-il plaqué? Oui, in extremis par Zirakashvili, même s'il a pu ensuite se relever. Doucin écarte vers Josio qui ne contrôle pas ce ballon en avant, sifflé par Monsieur Garcès. Attention à cette défense tout le temps. On a vu des Toulousains solides, des Clermontois qui s'étaient améliorés sur la fin de la première mi-temps où ils avaient réussi à même mettre la pression sur l'équipe adverse. Mais là, rapidement, ils ont encore raté quelques plaquages alors qu'ils mettaient sous pression l'adversaire. Des plaquages manqués font que derrière, des prises d'intervalle sont prises et les joueurs jouent dans le dos de la défense. Dans ce stade Vélodrome, où le stade toulousain n'a jamais gagné, ni en phase finale, ni contre Toulon. C'est William Servat qui a pris un coup, qui se fait soigner. Alors que l'on revoit la percée de Maxime Médard, le meilleur marqueur d'essai du championnat. Avec des plaquages manqués, il prend les intervalles, même s'ils ne sont pas très très grands, grâce eh bien, à son dynamisme, à sa volonté. Il y a David Skrela qui avait contourné aussi toute la défense sur 20 mètres. Alors qu'il était sous pression, il a réussi à faire réavancer son équipe. Philippe, petit arrêt de jeu pour revoir une palette, la palette du jeu de Josion et de Poitrenaud, titularisés au centre de l'attaque toulousaine aujourd'hui. Ah oui, c'est jamais. Juste avant la mi-temps, la mêlée, on a le temps peut-être. Non, on n'aura pas le temps, je pense. Je vois que Servat reprend sa place. Si, on a le temps. Tiens. On va voir avec le renversement. Yannick Josion qui vient se proposer dans un intervalle, qui va réussir à avancer. Et Clément Poitrenaud qui va arriver juste derrière et s'engouffrer dans l'intervalle juste à côté. Ah, c'était une grosse occasion d'essayer. On a vu encore une fois là, Yannick Josion qui attaque, qui avance, qui gagne la ligne d'avantage. Et un Clément Poitrenaud qui vient chercher le ballon à hauteur à nouveau. Yannick Josion qui arrête deux défenseurs. Le 3 carrel était un petit peu trop sur le côté, à chaque fois ça avance. Stop. Fritz qui est remplaçant côté toulousain aujourd'hui et que l'on devrait voir apparaître en deuxième mi-temps. Poussée toulousaine, cette mêlée qui tourne, pas suffisamment pour que l'arbitre ne siffle. Récupération Doucin, ça sort côté toulousain avec Skrela, avec Josion, Poitrenaud du bout des doigts qui réussit à transmettre à Médard qui ne contrôle pas et finalement Monsieur Garcès
on va revenir à une faute à l'Ourige. Allez, Max. Probable que le vent ne facilite pas non plus le jeu de trois quarts, paradoxalement. Je sais pas, mais là, en ce moment, il y a pas mal de fautes. Hein. Il y a une reprise avec beaucoup d'approximations, manque de maîtrise de ce ballon, dû peut-être à la pression qu'exercent les défenses, mais surtout, les joueurs sont arrêtés. Et le fait d'être arrêté, mais tu n'as pas cette capacité à avoir une meilleure vision et à récupérer le ballon dans le sens de l'attaque et de prendre le dessus sur les joueurs qui arrivent en face. Messieurs, de nouveaux changements pour Clermont puisque Ledesma va laisser sa place à Tipaolo. Un autre changement, c'est Jamie Cudmore qui sort, mais sur saignement. Et c'est Lowaki qui rentre en troisième instant puisque c'est Elvis Vermeulen qui va monter d'un cran. Mais tout ça n'est que temporaire. Acclamation du public clermontois hein, pour saluer la sortie de Ledesma. Ce sera son dernier match en jaune et bleu, sauf si évidemment l'ASM se qualifie pour la finale. Les Toulousains aussi, hein, y a eu très, très applaudi aussi par le public toulousain. Ouais. Vermeulen est monté en deuxième ligne, Loaki se place en numéro 8. Introduction de Doucet, pénalité contre les clermontois face au poteau. Sur le côté. Ah, c'est Lionel Faure qui s'est fait prendre. Jaune. Il vient pousser en travers. Voyez. Il fait sortir. Vu de haut, on voit. Là, on le voit beaucoup plus, effectivement. Et donc, effectivement, le pilier droit toulousain ne peut pas mettre la tête entre le talonneur et le pilier gauche clermontois. On le voit bien là, sur cette image. Monsieur Garcet s'était placé de ce côté-là. Eh bien, il a pu sanctionner le pilier gauche de Clermont. Et on va retrouver David Skrela pour essayer d'alourdir un tout petit peu le score et de reprendre une marge qui mettrait Toulouse à l'abri d'un essai transformé. David Skrela, champion de France avec le Stade français, mais jamais avec Toulouse. Avec Toulouse, il a été champion d'Europe. C'est déjà pas mal. 100% de réussite. Pour l'instant, que des coups de pied faciles. Celui-ci est plus délicat. Belle trajectoire et ça va passer avec la barre. T'as rebondi sur la barre ou pas? J'ai pas fait attention avec l'angle que nous avions. En tout cas, ça passe 16 à 6 pour Toulouse. Et clairement, qui s'est fait sanctionner trois fois déjà en mêlée sur des positions, sur la pression qu'ils ont reçue aussi en première mi-temps. Ça n'arrange pas les affaires des Auvergnats qui courent après le score, pouvant se rappeler que en quart de finale de la H-Cup contre Biarritz, Toulouse avait mené 17 à 0 avant de se faire remonter. Là, il y a 10 points d'écart. Et ces derniers temps, on a vu souvent des matchs de rugby avec des physionomies complètement opposées d'une mi-temps à l'autre. La dernière finale de Coupe d'Europe en étant l'exemple parfait, alors que ce ballon voilà, est passé impeccablement entre les perches. Vous gardez l'axe, hein. S'il vous plaît. Mêlée, introduction Morgan Parra, les champions de France en titre. L'ASM mené de 10 points. Touché. Stop André. Sans avoir vraiment menacé la ligne toulousaine, peut-être avec la puissance et la gestuelle de Sione Loaki. Jean-Marc Doucin est un gros plaqueur aussi. Pas de main. C'est non. Les gros efforts des Clermontois dans cette séance de pick and go. Ouais, ils arrivent à avancer parce que les Toulousains les attendent peut-être au large, donc ils veulent les resserrer dans un premier temps. C'est ce style de jeu qui avait permis au Leinster en demi-finale de la H-Cup de faire craquer la défense toulousaine. Ce qu'ils avaient fait contre Biarritz aussi. Hein. Ouais. Loaki, bien mis au sol par Bouillou. Parra choisit de servir au large. James, intérieur, Malzieux. Il est bloqué par la défense toulousaine. Relais de Tipaolo, le talonneur samoan. Une bonne couverture défensive à l'intérieur. James, Canale. Oh la belle passe vers Marius Joubert, plaqué par les défenseurs toulousains et par David Skrela. Et il s'est retrouvé tout seul, il a manqué de soutien, mais ils ont réussi à conserver le ballon apparemment. Sans que les Toulousains ne se mettent à la faute. Bon, James en position de demi de mêlée. Premier intervalle quasiment trouvé par les trois quarts de Clermont. Vermeulen, Bonner maintenant.
Julien Bonner pour Malzieu. Fête de passe, il le trou Malzieu. Accroché par du sautoir qui réussit à le retenir. Morgan Parra éjecte. Brock James maintenant qui attaque la ligne, qui perce. Brock James repris à 5 mètres de l'embut de Toulouse. C'est la première occasion d'essai dangereuse des champions de France avec Julien Bonner. À une demi-heure de la fin de cette demi-finale, Morgan Parra. Grosse défense du stade toulousain. Vermeulen va remettre la main sur ce ballon. Charles Delvis Vermeulen épaulé par la Pandaïe. Maxime Médard qui est venu chipper ce ballon. Oui, il était dans la mêlée. Libre qui était sorti de la mêlée ouverte. L'a-t-il récupéré pour Toulouse? Bien, oui, regardez. C'est Doucet qui va servir Scrella. Et Scrella dégage le camp du stade toulousain. Gros geste défensif de Maxime Médard dans ce regroupement qui va mériter d'être revu. Il n'y a pas eu beaucoup de très très longues séquences. Là, on a eu droit à 2 minutes 11 avec de beaux gestes techniques, ce qui a permis à Joubert de prendre l'intervalle et ensuite le soutien de Julien Malzieu à l'intérieur de son demi d'ouverture pour continuer à avancer. Et enfin, on a vu une équipe de Clermont qui est venue attaquer cette défense dans des intervalles relativement faibles, mais où, par cette différence de rythme, ils ont réussi à se retrouver avec des défenseurs en poursuite. Et donc, ils ont pu avancer. Mais le soutien a manqué ensuite. Le ballon a été chippé par les Toulousains. Vous pouvez évidemment donner une note à ce match, à cette demi-finale. Le lancer de Tipaolo. Revoici Loaki maintenant, qui vient charger sur Servat. Il semble que Clermont ait mis le pied sur l'accélérateur. Avec Gonzalo Canale. Replace. Zirakashvili. Et je me souviens de l'analyse des coachs toulousains après leur victoire en quart de finale de la H-Cup contre Biarritz, rappelant qu'ils ne savaient pas vraiment attendre et jouer un jeu attentiste, qu'il leur fallait développer leur jeu sinon ils subissaient. Et pour l'instant, Toulouse subit avec Loaki encore. Stoppé par du sautoir, trouve le soutien, celui de Vermeulen. Il y a du lourd côté clermontois. Servat est au plaquage. Là, ça a plongé un petit peu, j'ai l'impression. Les Toulousains vont encore récupérer un ballon chaud, Philippe. Dans ce regroupement, dans les rucks, les Toulousains récupèrent des munitions importantes. Et en plus, Vermeulen se met à la faute. Vous perdez le ballon, il y a turnover. Vous êtes au sol, on garde la balle. Grosse bataille, gros combat. Van Cotter envoie les consignes vers Franck Azema. Les Clermontois sont de nouveau dangereux, mais la défense de Toulouse réussit à chaque fois à remettre la main sur ce ballon. Ouais. Alors Scrella va-t-il faire une floche, c'est-à-dire la tenter apparemment très loin, alors que je vois Julien Bonner est sorti. Bertrand Guillemin. Il est sorti, mais on n'a pas encore remplacé puisque c'est Julien Pierre qui est dans les starting blocks. Donc quelques secondes et je vous dirai si c'est un changement définitif ou simplement encore temporaire. Et puis il y a Vincent Debatty qui lui aussi piaffe sur le bord de la touche puisqu'il devrait remplacer dans quelques secondes Lionel Faure. Merci pour cette précision. Belle moustache de Gaulois pour le Belge Vincent Debatty. Scrella. Plus de 50 mètres avec le Mistral dans le dos. Beaucoup de pieds. Qui passe ? Qui passe ? Le futur Clermontois, David Scrella, rajoute 3 points. Toulouse 19, Clermont 6. Vas-y, fais-les, 13 points d'avance pour le stade toulousain. Avec une grosse défense et un ballon qui a été récupéré par un Toulousain. On a vu cette main qui est venue chercher le ballon. Ouais. Arrête du jeu. Rapidement avec Yannick. S'il vous plaît. Yannick, c'est important ce qui vient de se passer là. Ce ballon arraché par Maxime Médard. La touche plus pénalité, c'est très important. C'est pas le tournant du match, pas encore, mais en tous les cas, ça y ressemble. Non, c'est important parce qu'on sait que les Clermontois enclenchent toujours leur séquence par d'abord auprès des pick and go et de la puissance auprès. Le but, c'est quand même de les empêcher d'enclencher ces séquences-là. Et là, grâce à la qualité défensive des gars autour, à la présence de Max deux fois, on réussit à faire avorter leur séquence offensive. Et avec le vent dans le dos, c'est important de scorer alors qu'on est plutôt dans un temps faible. Merci.
Et pendant cette interview, la guille, Dan Newman est sorti et Jean-Baptiste Poux est entré. Johan Maestri a remplacé en deuxième ligne Romain Miloš-Luski, qui revenait de blessure et qui n'avait pas joué depuis un mois et demi. Il reste 25 minutes au Clermontois pour essayer de renverser la vapeur. Clermont mené au score depuis le début de cette demi-finale. Chandelle montée par Cédric Emmans, récupérée par Parra qui s'appuie sur Floch, Anthony Floch pour Loaki. Le All Black qui repique vers l'intérieur, plaqué par Poux. C'est bon, ça va plus vite là. Attendu au ras, il est pris. Parra écarte vers James. On essaye de combiner derrière, on lance la puissance de l'ancien Springbok, Marius Joubert, le remplaçant de Rougerie. Parra éjecte pour Brock James. Il n'y a pas beaucoup de monde à l'extérieur, donc les défenseurs ne sont pas vraiment gênés. Il est allé s'empaler sur la défense de Toulouse. Vermeulen. Parra et Joubert encore, attaque encore la ligne, transperce, mais à chaque fois il y a un défenseur toulousain pour le faire tomber. Parra écarte, James pour ce ballon sur Priva, avec Fofana maintenant plaqué. Vermeulen, James intérieur, premier ballon pour Debatti, plaqué par Dussautoir. Voyons si les Clermontois vont être capables d'enchaîner ces longues séquences de jeu. Il pourrait finir par faire craquer la défense de Toulouse avec Julien Pierre. Il y a beaucoup de joueurs en défense, auprès, en garde qu'on appelle. Ils ne sont jamais pris à défaut, même si Clermont arrive à avancer doucement, petit à petit, avec cette conservation nécessaire. Rakikar, James, Loaki dans la ligne de trois quarts. Loaki franchit. Passe la ligne d'avantage, mais plaqué, bénéficiant en revanche au sol d'une pénalité pour cette faute au sol. Un grattage. C'est un rat. Pour revenir à Julien Bonner, pointe au mollet, donc c'est terminé pour le troisième ligne international. Il ne fera pas son retour sur la pelouse, il est une faute au sol. Alors Julien Bonner a donc sorti. Julien Pierre sans ouvrir aux côtés de Priva en deuxième ligne. Allez, un joueur rapidement. Oui, parce qu'il marque souvent des essais Clermont après des pénalités vite jouées à la mer. Morgan Parra, Vermeulen bloqué par Dussautoir qui est au sol. C'est sans doute le moment maintenant pour Tipolo et les Clermontois de venir inquiéter la ligne toulousaine pour réduire cet écart, 13 points d'écart. Morgan Parra, James, Ron James saute canalé pour servir Joubert. Joubert repique vers l'intérieur, pris par Skrela. Clermont recule. C'est Loaki qui est au sol. Loaki blessé. Pour l'instant, ils sont à 14. Et Clermontois avec ce ballon pour ballon d'attaque que Parra écarte. Fofana pris par Dussautoir encore. Et le troisième ligne néo-zélandais qui a du mal à se relever alors que Julien Pierre charge et rentre dans les 22 de Toulouse. Parra, ça joue vite sur les extérieurs avec ce petit coup de pied à suivre. Anthony Floch récupéré par Skrela et dégagement de David Skrela. Il sort le danger des 22 Toulousains. Oui, il ne faut pas se débarrasser du ballon. Il y a beaucoup de défenseurs. Il y avait du monde encore en zone 3, en profondeur. Et donc, il faut garder ce ballon en jouant contre le vent, notamment. Parce qu'en le redonnant, vous voyez, avec un coup de pied, même si l'adversaire est sous pression, il va trouver la touche. Il a mal derrière le genou. Voilà. Oui, il n'y avait pas trop de solutions au pied, il y avait beaucoup de monde. Alors que sur le deuxième mi-temps, les Clermontois sont en possession, ils ont du ballon, mais la défense est forte du côté des Toulousains. Oui, parce qu'il y a du coaching à Toulouse. Hein. Yannick Nyonga rentre à la place de Jean Bouillou. C'est Johnson qui sort et c'est Johnson Falefa qui rentre. Et il y a David Skrela qui se plaint d'un genou. Et je pense que Nicolas Bézi ne va pas tarder à rentrer. Ouais. Allez, merci Dany. Je vous dis que j'ai arrêté le jeu. Et pour Clermont, passage éclair de Loaki qui devrait sortir puisque n'est pas suffisamment remis, c'est Alexandre Audebert qui va faire son entrée. Alors ça c'est quand même un coup dur pour les Clermontois qui comptaient beaucoup sur la puissance de Sione Loaki pour déséquilibrer la défense toulousaine en deuxième mi-temps. Si à cause de cette blessure il doit déjà sortir, c'est en termes de capacité de pénétration, de perforation
un moins malgré toutes les qualités de plaqueur notamment de Audebert. Alors que le Mistral, vous l'entendez, souffle par rafale de plus en plus forte sur le stade Vélodrome. Et un ballon encore en touche qui a été chippé par les Toulousains. Ouais, cette conquête en touche a coûté beaucoup de munitions à Clermont ce soir, à Marseille. Doucin, Skrela doit maintenir le ballon dans l'air de jeu. Il le fait avec cette chandelle. La lutte avec Yannick Josio. Les deux joueurs, semble-t-il. Les deux joueurs sont à l'air. En l'air, la lutte pour le ballon. À l'avant du noir, mais les balles jaunes. Oui, à partir du moment où... Je peux vous dire, les deux sont en l'air. Les deux font action d'aller chercher ce ballon. Vous voyez, ils regardent les deux le ballon. Ils ne peuvent pas se voir. Sauf que Yannick Josion est... 19 jaunes. Est plus costaud encore que Fofana. Même si c'est un joueur athlétique. Vous voyez, il monte beaucoup plus haut. Et Sione Loaki qui sort. Lui aussi va quitter Clermont. Il a signé pour Bayonne. Il est rentré à peine 3 minutes dans ce match. Où Verne Cotter comptait sans doute sur lui. Pour faire basculer la rencontre. Il s'est blessé sans doute sur cette action et sur ce plaquage. Et entrée donc d'Alexandre Audebert, l'un des joueurs d'expérience avec son casque rouge de cette équipe de Clermont, mais pas dans le même registre, Philippe, que Loak. Absolument pas, hein, c'est un gratteur, plaqueur, combattant. Mais Loak a une puissance, un dynamisme aussi pour aller perforer. Flexion. On y connaît. Touché. Stop, et Clermont qui n'arrive pas à grignoter son retard. Vermeulen lance James en combine. Joubert pour Malzieux. Mais Malzieux arrive lancé dans la ligne. Il est bien pris aux jambes par Josion qui bataille pour essayer de récupérer ce ballon. En avant. Non, vous faites en avant. Mais il n'y a pas de faute. Vous êtes plaqueur. En avant, vous de mettez debout et vous jouez le ballon. Avec beaucoup d'en avant. Là, un ballon qui est récupéré. Mais pas maîtrisé, vous voyez, donc de cet en avant, l'arbitre est revenu pour annoncer le mêlée. Pour l'instant, à 21 minutes de la fin de ce match, Toulouse donne raison à la statistique qui veut que le numéro 1 de la phase régulière est toujours qualifié pour la finale, alors que Jean-Baptiste Elissade donne quelques consignes par-dessus la main courante. Il donne des consignes à Nicolas Bézi parce que Nicolas Bézi va remplacer à l'instant présent David Skrela qui sort. Il sera donc sous les couleurs jaune et bleu de Clermont la saison prochaine. Et voici le jeune Nicolas Bézi qui était titulaire l'an dernier lorsque Toulouse était incliné en demi-finale contre Perpignan. Skrela n'en peut plus, il s'est fait mal, dernier match ou pas de la carrière de Skrela sous le match, sous le maillot toulousain. Ça dépendra si le stade est qualifié ou pas pour la finale. On va déjà s'occuper de le soigner. Voici le jeune Nicolas Bézi, lui aussi, grand joueur prometteur du rugby français. Introduction, Morgan Parra. Nous allons entrer dans les 20 dernières minutes de cette demi-finale ici à Marseille. Stop, entrez. Bien. Et Jamie Camor a fait son retour à la place de Thibaut Criva, le capitaine qui est sorti. De l'autre côté là-bas. Je reste toujours merci Bertrand. Changement de capitaine donc à Clermont. On verra qui est le nouveau. Flexion. C'est Louis Vermeulen, le capitaine de Clermont maintenant. Top. Le capitaine étant le seul habilité à parler à l'arbitre. Grosse poussée du pack de Toulouse qui marque là des points sur le plan mental. 20 minutes de la fin de ce match. Ah, c'est sûr que ça fait des munitions qui vont manquer hein, à la fin. Touche, mêlée. Nicolas Bézi qui s'est entraîné à l'échauffement à taper de 60 mètres où le ballon arrivait souvent entre les barres. Et bien, il va la tenter celle-là aussi. On va avec on revoit cette grosse poussée en mêlée du pack de Toulouse. Ils se sont détachés, ils ont reculé. Regardez, la super, c'est fort à la super loupe. Où on voit le pack arc-bouté pour enfoncer son vis-à-vis. Et on revient sur Nicolas Bézi. Laurent Dom va nous montrer l'image, le plan large. Regardez, 60 mètres pour le buteur de Stade Toulousain. Un coup de pied tendu qui va passer à côté des poteaux de Clermont. On en reste à 19-6, 13 points de retard pour les champions. C'est plus que ça. 15 jaunes.
Et encore un changement à Clermont puisque Anthony Floch va sortir, remplacé par Maury. Maury Valou, l'une des sensations de cette fin de saison. Et maintenant, il va falloir tenter le tout pour le tout. Bertrand, et pour les Clermontois, Anthony Floch sort, remplacé par Kini. Maury Valou, qui est peut-être le nouveau Nalaga, parce qu'entre autres coups durs cette saison, Clermont a perdu celui qui était souvent décisif lors des matchs de phase finale. Napoléoni Nalaga, reparti et resté au Fidji. En plus des blessures de Domingo et de Rougerie, ça fait beaucoup. Le drop de Cédric Emmans de plus de 60 mètres, c'était pas mal tenté. Oui, mais Rougerie ballon pour Maury Valou. Attention, il va tenter quelque chose. Le Fidji va tenter quelque chose. Maury Valou échappe à Bézi avant d'être pris par les défenseurs. Il a lâché le ballon. Récupération toulousaine avec Yannick Nianga qui n'arrive pas. Pénalité. Et bien cette initiative, ce drop de Cédric Emmans va aboutir à une pénalité en bonne position pour le buteur toulousain. On voit qu'ils sont sous pression, il récupère le ballon, Maury Valou, mais il passe le premier défenseur, mais derrière, regardez, il y a 1, 2, 3, 4 Toulousains, mais surtout, il laisse échapper ce ballon, malheureusement, ce qui amène à la faute derrière d'un de ses coéquipiers. Manque de maîtrise du ballon, et puis bien sûr, Guinoves qui annonce 3 points. Et la rage de Jamie Cudmore, qui sent peut-être qu'à cet instant, que le match est définitivement en train d'échapper au Clermontois. Les supporters toulousains en tout cas le sentent et donnent de la voix. Ils sont placés à droite là, juste derrière les poteaux que vise Nicolas Bézi. Un Aurélien Rougerie extrêmement dubitatif sur le banc de l'ASM. Nicolas Bézi, pas en réussite. Alors passe encore une fois à côté pour le jeune buteur du Stade Toulousain. L'écart reste à 13 points. Pour Clermont, il faut marquer au moins deux fois. C'est ça joue, monsieur, break, ça joue. Hein. C'est comme un break. Ils sentent, les Clermontois, qu'il faut qu'ils animent énormément. Ils jouent sur la vitesse aussi. Allez, la charge là de Cudmore. Jamais Clermont n'a mené au score dans cette demi-finale. Brock James va attaquer la ligne, chercher la percée, il passe. Bien joué Brock James qui est repris, qui attend du soutien. Ce soutien arrive avec Morgan Parra qui peut écarter maintenant sur Canale. Maury Valou pris par Josio. Le tout pour le tout. À un petit peu plus d'un quart d'heure de la fin, ils n'ont plus le choix. Parra renverse. James. Joubert pour Malzieux qui repique vers l'intérieur. Julien Malzieux plaqué par Nianga. Ils arrivent quand même à avancer de 50 mètres. Pierre Parra, James pour Fofana qui prend un tampon majuscule de la part de Louis Picamol. Ça ressort pour Morgan Parra. Ti Paolo maintenant, le talonneur qui repique vers l'intérieur avant d'échapper au plaquage de Bézi. Les Toulousains mettent les barbelés et Clermont se heurte à cette défense pour l'instant infranchissable. En avant de Gonzalo Canal, et ballon ramassé par Nianga. Ça peut jouer évidemment. Il y a un instant de relâchement. Nianga, la passe acrobatique qui finit par arriver à Maxi Médard. L'accélération de Médard. Le crochet, le soutien est là avec Josieux. Josieux qui donne dans le dos de Sosoni Boussa. Une occasion d'essai incroyable que n'arrive pas pour l'instant à convertir les Toulousains sur cette bévue de Gonzalo Canal. Et bien là, ils ont vraiment eu chaud, car Toulouse était à deux doigts de mettre un terme définitif au suspense de ce match. Oh oui, regardez, c'est en avant, derrière. Le ballon est récupéré par Yannick Nianga avec Maxime Médard. Ça revient d'un peu partout du côté des Clermontois. Heureusement qu'ils ont fait un gros effort et qu'il n'y a pas eu cette dernière passe là sur Sosoni Boussa qui arrive dans les mains, parce que sinon il y aurait eu essai. Philippe, on peut se demander comment les Toulousains ont-ils fait pour ne pas marquer cet essai. Ça pourrait presque faire l'objet d'une palette tout à l'heure. Ouais, je voyais l'essai. Il y a c'est tout seul. Oui, non, parce qu'il est repris. C'est au moment où il fait la passe. C'est deux Bati qui, en le plaquant, l'empêche de donner le ballon correctement. Il était en train d'armer ses bras pour donner le ballon, et sur ce plaquage, eh bien, n'a pas pu maîtriser cette passe. Il a été gêné par Vincent De Bati. Cette action permet à Clermont de garder encore un petit espoir de se qualifier pour la finale. Bertrand Guillemin sur le bord de terrain alors que William Servat est remplacé par Virgile Lacombe. Au côté d'Aurélien Rougerie, effectivement, Aurélien, il y a des soirs où on peut garder l'espoir. Est-ce que vous l'avez encore, l'espoir 19-6 en faveur du Stade Toulousain? Oui, bien sûr, il reste du temps, donc tant que le match n'est pas terminé, je crois qu'on peut garder l'espoir. Après, les Toulousains ont bien
la mainmise quand même sur cette partie, notamment au niveau de l'agressivité, où je crois qu'il manque encore un peu de ça dans les rucks, notamment pour conserver nos ballons et pouvoir jouer un peu plus rapidement. Merci Aurélien. Et les Clermontois qui se lancent à l'assaut, même de leurs 22 mètres, avec Jones pour Joubert. Y a-t-il un avant? Non. Malzieu essaie de rafuter Médard, repris par Médard et par Poitrenaud et poussé en touche. Ah, ils arrivent à faire quelques offensives là, les Clermontois, même s'il y a quelques passes imprécises. La défense est toujours là, vous voyez, deux joueurs sur Julien Malzieu, Poitrenaud, Médard. Clermont, Philippe, l'équipe la plus régulière de ces dernières saisons, finaliste en 2007, finaliste en 2008, finaliste en 2009, championne en 2010. Okay. Si Clermont ne se qualifie pas pour la finale, ce sera presque un événement. La dernière finale sans Clermont, rendez-vous compte, ça remonte à 2006. À loin, ça remonte à 2006. Et là, les champions en titre sont menés de 13 points à 14 minutes de la fin. Premier lancé pour Virgile Lacombe, capté par Patricio Albacete, le deuxième ligne argentin de Toulouse. Les Toulousains qui vont essayer de garder la main le plus longtemps possible sur ce ballon. Ils ont en plus l'appui du vent pour cette fin de match. Départ de Picamol. Ouais, ils vont pas trop loin pour conserver le ballon. Bézi fait jouer Médard qui était venu se reposer en avant. Non, dit Monsieur Garcès. Pas de main, pas de main. Pas de main. Là, il est là le ballon. Pas de main. Et ils reviennent sur le côté fermé, là où il y a le plus de joueurs. Beaucoup de prévention de la part de Monsieur Garcès, qui ne veut pas voir de main clermontoise traîner sur le ballon. On va être perdu là, peut-être. Oui. Récupéré par les Clermontois. Bon turnover, là, ils sont bien venus gratter ce ballon dans le regroupement. Et Toulouse est sanctionné, pénalité. Que faut jouer vite, là, il n'y a pas trop de... Et Morgan Parra râle parce qu'il n'a pas pu le faire. Qui c'est le 18 jaune? C'est un peu d'énervement, hein. C'est un signe de la difficulté quand même à contourner cette défense, à maîtriser davantage la rencontre. Même si là, Doucin n'arrive pas à se retourner dans son camp, il est obligé de lâcher le ballon. Il était sous pression de 2-3 adversaires. Philippe Si, Clermont veut garder un espoir sous l'œil de Didier Deschamps, qui aujourd'hui n'a pas de souci à se faire pour la pelouse, puisque l'OM ne jouera plus à domicile cette saison. Si Clermont veut garder une chance de conserver son bouclier de Brennus, eh bien il leur faut marquer vite, très vite, très très vite dans ce match. Lancé, Tipao. Et le contre toulousain une fois de plus. Albacete gagne ce ballon. Intéressant à voir la stat des ballons gagnés en touche par Toulouse sur lancé adverse. Cela aura été sans doute l'une des clés de cette demi-finale. Oui. Médard vers Bézi et dégagement de Nicolas Bézi pour donner un peu d'air au Stade Toulousain qui finalement donne l'impression de maîtrise. Oui, maîtrise, ils ont quand même une petite avance, surtout sur la conquête. Voilà, ils ont récupéré pas mal de ballons. Ils ont récupéré 4 ballons sur lancé adverse. La mêlée qui a eu quelques difficultés du côté de Clermont aussi. C'est autant de munitions qui ne leur permet pas de lancer les mouvements, et puis ça peut perturber aussi dans les têtes. Nouveau lancé pour Tipaolo. Florian Fritz est rentré à la place de Clément Poitrenaud. Hein. Voilà, et on a vu là la stat, 4 touches gagnées par Clermont sur lancé, par Toulouse sur lancé Clermont. Fritz rentré donc à la place de Poitrenaud aux côtés de Josio. 12 minutes et on sent les supporters clermontois lorgner avec inquiétude vers le chrono, d'autant qu'ils sont encore une fois pénalisés. Ouais. On se relève, on repart. Alors moi j'avais une stat aussi Nico, intéressante parce que sur le banc... Nico. Attends Lagui, attends. Pardon. Date. Guy Noves qui demande à Nicolas Bézi de tenter la pénalité parce que ça va au moins faire gagner du temps. C'est du temps qui passe. C'est vrai comment ça que... Sur la ligne. Sur la ligne. Il n'attente pas et Cédric Aymar de son pied gauche lui ramène le jeu dans les 40 mètres de Clermont. Monsieur Lagui, je vous ai coupé. Non, mais c'était pour dire que j'entendais sur le banc tout à l'heure, je suis avec les Toulousains, là, j'entendais qu'ils n'avaient jamais gagné à Noëta, ils ont gagné cette année, ils n'avaient jamais gagné à Perpignan, ils ont gagné cette année, ils n'avaient jamais gagné à Marseille.
allez savoir s'ils vont gagner cette année. Voilà. Là, c'est pour l'instant bien parti à 11 minutes de la fin de cette première demi-finale sur cette pelouse du Stade Vélodrome. Samonto. Nous s'affronterons demain. Le Racing Métro et Montpellier. Avantage en cours pour Toulouse. Voilà, il joue autour. Le temps passe. Il relance à chaque fois autour sans se précipiter. Avec une impression curieuse que Clermont n'a jamais vraiment réussi pour l'instant à inquiéter la ligne toulousaine. Et voilà, monsieur Garcès revient à cette pénalité que le buteur toulousain ne va pas se faire prier de tenter. Franck Azéma, l'adjoint de Verne Cotter, qui sent que son équipe sans doute ne reviendra pas dans ce match. À moins que. On ne sait jamais, hein, tant que, il a dit Aurélien Rougerie, tant que le match n'est pas terminé, il reste encore 10 minutes. Mais on sent quand même les Toulousains qui ont la main sur le ballon, sur la maîtrise généralement, même si les Clermontois, regardez sur ce match, d'habitude c'est presque l'inverse que l'on voit. Mais 130 passes pour les Clermontois, 56 pour Toulouse, mais ils se sont retrouvés souvent sur un mur, sur une grosse défense, une défense mais qui a moins de 10%. De plaquage manqué à Nicolas Bézi, pas en réussite, ça n'a pas de conséquences fâcheuses pour le Stade Toulousain qui mène toujours au score, mais troisième échec consécutif pour le jeune buteur toulousain. S'il y avait eu un peu de réussite, hein, et l'écart au score serait plié. Définitif. Et en revanche, les Clermontois jouent rapidement, Joubert. Ah, c'est ces petits détails là, ça a joué rapidement, ça a surpris tout le monde. 14 jaunes. Regardez ce petit coup de pied là. Marius Joubert récupère le ballon. 9 jaunes. Est-ce qu'il a touché le ballon avec les mains ou uniquement avec les pieds? Ça veut vraiment pas sourire. Et Morgan Parra, comme contre Biarritz, on laisse sa place à Kevin Seignot à moins de 10 minutes de la fin de ce match. Flexion. Touché. Stop. Correction pour Jean-Marc Doucet. Bonne poussée clermontoise. Picamol sur vite ce ballon. Doucet. Là, ce sont Solibusa. C'est bien joué. Repénissant. Solibusa, la passe. Oh, elle était splendide. Elle était dommage dans les chevilles de Florian Fritz. Et le renversement d'attaque avec Josion. Josion attaque la ligne, se débarrasse de Brandt James, reçoit du soutien avec Falefa, le jeune pilier samoan. Ça ressort, Bézi sur un pas, Nianga, Picamol. Progression, il rentre dans les 22, Louis Picamol, il s'arrache, le renversement, Doucet, Maestri. Les Toulousains qui vont peut-être finir plus fort ce match. Doucet réclame ce ballon, il ressort avec Sansoni Boussa pour Florian Fritz, le crochet, il est pris par Brock James, non, il résiste au plaquage, repris par Julien Pierre, Fritz qui est rentré dans les 22, mêlée ouverte, ballon qui tarde à sortir, que va dire monsieur l'arbitre, jouer là, au lieu de parler. Il va se jouer avec cette charge au ras de Maestri. Ils arrivent à avancer, à trouver ces intervalles. Doucet, Fritz encore, Fritz attaque lui aussi la ligne, n'arrive pas à transmettre ce ballon à Falefa. Et cette impression que le Stade Toulousain est en train de finir plus fort cette rencontre. Je sais pas, ah oui, avant du noir. Ils ont la main sur le ballon, ils attaquent la défense adverse. Il y a souvent des problèmes sur le premier plaquage, des plaquages manqués. Et là on voit la Chistera où le ballon n'arrive pas dans les mains de Florian Fritz, sinon il y aurait eu un essai. Mais que de soucis pour Clermont sur les premiers plaquages qui mettent dans l'avancée l'ensemble des Toulousains. Et puis que c'est bien joué entre Jean-Marc Doucet et Sosoni Boussa. Cette prise de balle à hauteur de Jean-Marc Doucet qui va attirer un, deux défenseurs. S'il vous plaît. Flexion. 7 minutes encore. Introduction. Kevin Seignot. Stop. Et coup franc en faveur des Toulousains. Anticipation. Le Stade Toulousain qui petit à petit, trois ans après, capitaine, semble reprendre le chemin du Stade de France pour une finale de championnat, puisqu'ils y ont gagné l'an dernier la finale de la Coupe d'Europe. Le capitaine Thierry Dussautoir choisit la mêlée alors que Sean Soverby a remplacé Louis Picamol pour les dernières minutes de ce match. Picamol qui poussera sans doute demain
avec ses potes de Montpellier. Touché. Dans l'autre demi-finale. Stop, André. Introduction de Doucet. Sauverby, 89. Doucet pour Médard. Crochet de Médard. Bloqué par la défense de Clermont à 5 mètres de la ligne. Les Toulousains qui ont inscrit le seul essai du match en première période avec Sansoni Boussa. La charge de Maestri. L'an dernier, ils avaient été éliminés en demi-finale par Perpignan. Albacete pris par Debatti. Il pousse fort en cette fin de match. Nyanga. Yannick Nyanga essaye de rafuter Zigarkashvili. Réussit à donner à Falefa. Falefa perdu le ballon. Là, il s'est fait chipper par la penderie. Coup de filou. Et clairement, on va pouvoir se dégager. Ou en tout cas, essayer de contre-attaquer. Seignot pour Vermeulen. Pas d'autre chance. Vermeulen emporté par le plaquage de Doucet. Seignot, Canale. Jusqu'à Fofana pour Mourimoulin qui ne contrôle pas ce ballon. En avant. C'est les nerfs un petit peu. En avant. Sous pression. C'est un petit peu les tentatives de la dernière chance. Et pour les Clermontois, bien compréhensible vu le score. Et cette défense de Toulouse qui a été forte du début à la fin, qui a mis en difficulté, qui a mis sous pression les Clermontois. Et ce manque de vitesse par moment. Pierre Mignoni suit attentivement cette demi-finale. Tiens, selon nos informations recueillies en Afrique du Sud, Toulon, l'équipe que entraînera Pierre Mignoni, bon, s'occupera des trois quarts l'année prochaine, serait sur le point de faire signer Brian Abana. S'il vous plaît. Les négociations ne sont pas encore finalisées. Mais en Afrique du Sud, on nous apprend que Brian Abana est en négociation très avancée avec Toulon. Je ne sais pas si le président Boudjelal est aujourd'hui dans ce vélodrome qui est un petit peu la résidence secondaire du RCT. Mais si c'est le cas, ce serait une très grosse info, en plus de Guito, de Botta et de toute l'armada des Toulonnais pour la saison prochaine. À suivre. Elissalde, pour la première saison d'entraîneur aux côtés de Guinovès et de Yannick Bru, va retrouver sans doute le Stade de France. Il reste moins de 5 minutes ici au Stade Vélodrome de Marseille. 13 points d'avance pour le Stade toulousain. Champion d'Europe 2010 face au champion de France 2010, Clermont. Alors où est le ballon? Il est pour Sauverby qui est refoulé. Seignot l'a récupéré avec Clermont. Il y a du rocking. Il faudrait deux essais transformés pour que les Clermontois réussissent à doubler sur le fil les Toulousains. Et on a un peu l'impression que même n'y croit plus depuis quelques minutes. C'est nous, Julien Pierre. Le banc de Clermont n'a sans doute pas eu l'effet escompté. Et Morgan Parra, qui avait tout connu l'an dernier, le bouclier de Brennus avec Clermont, le grand chelem avec l'équipe de France, va pouvoir dès demain sans doute se concentrer sur la préparation du grand rendez-vous de l'équipe de France, le mondial en Nouvelle-Zélande. Oui, rapidement avec Guinovski, est-ce qu'il peut vous arriver de pire là? Il reste 3 minutes, il peut toujours percer au milieu, qui marque un essai sur le renvoi d'un repart d'un autre. Voilà. En tous les cas, j'ai compris pourquoi vous avez pris le vent contre en première mi-temps. C'était pour l'avoir avec en deuxième. Et en espérant que les dieux du vent ne nous trahissent pas. Oui, si. Bon, ici, quand le Mistral se met à souffler, généralement, il ne change pas d'avis en un quart d'heure. La grosse poussée là, du pack, la mêlée toulousaine qui emporte la mêlée auvergnate et bénéficie d'une nouvelle pénalité. Ah, 2010 fut l'année de Clermont, ce bouclier tant attendu, tant espéré, qui a rendu fou de joie les Auvergnats sur la place de Jaude. Et cette année, eh bien, Clermont est en train de baisser pavillon en demi-finale face au Stade toulousain. Et repartira à l'assaut, évidemment, l'année prochaine avec une équipe extrêmement remaniée et avec l'arrivée de le départ de beaucoup de joueurs, dont Joubert, on a parlé de Celso, de Ledesma, et l'arrivée d'une armada de vedettes aussi de l'hémisphère sud comme Sylvie Vatou ou de Français comme l'ancien talonneur de Castres du Stade Français, Benjamin Kaiser. Nicolas Bézi a-t-il enfin trouvé la cible? Pas en réussite ce soir et cette fois, ça passe. Sans problème. 22 à 6 pour le Stade toulousain. Direction le Stade de France, ils le sentent. Oui, là maintenant ils peuvent sourire. Elissal, Poitrenaud, Noves.
Trois ans après son dernier titre face à Clermont, Toulouse va essayer de batailler pour gagner un 18e bouclier de Brennus face au Racing ou face à Montpellier. Ça, on le saura demain. En tout cas, je vous annonce qu'on va passer presque un quart d'heure ensuite ici sur la pelouse et dans les vestiaires du stade Vélodrome pour recueillir les réactions et analyser ce match. Nicolas Bézi. Toulouse est en train de respecter la statistique qui veut que l'équipe qui termine numéro 1 de la phase régulière eh bien, se qualifie à chaque fois pour la finale du championnat. Doucet, dernière minute de cette demi-finale. Chandelle de Cédric Emmons. Mouri Valu. On se fait des politesses avec Mathieu. On se gêne même avec Seigneau. Illustration du fait que les Clermontois étaient un petit peu à côté de leurs souliers ce soir. Et finalement, peut-être assez logique, Clermont intraitable à domicile au stade Marcel Michelin. Si timide à l'extérieur tout au long de la saison, eh bien, n'aura pas réussi à déployer son jeu ici sur terrain neutre à Marseille. Audebert. James. Pour Canal et avec Mouri Valou. Il vient s'empaler là sur ce gros défenseur qu'est le jeune Jean-Marc Doucet. Seigneau. James. C'est individuel maintenant. Ouais, plaqué par Nianga. Avec une ligne défensive toujours aussi efficace. Sirène. C'est Paolo avec Seigneau. Les supporters toulousains brandissent déjà leur drapeau. On ne dira pas que le champion de France perd son titre car Clermont restera à jamais champion de France 2010. Mais il n'y aura pas de doublé. Clermont sera battu ce soir ici au stade Vélodrome de Marseille par le stade toulousain. Et le score est sans appel. Un essai à 0, 22 à 6. Canale en avant peut-être avec Joubert, avec Audebert, pardon, La Penderie. Alors récupéré par les Toulousains, pénalité, donc on continue à jouer. Mais les Toulousains se sont mis à l'abri d'un essai transformé et même de deux essais transformés. Seigneau, Cudmore. Ils défendent leur territoire jusqu'au bout, même s'il n'y a aucune crainte. James intérieur pour Mouri Valou, bien plaqué encore par Doucet. Gros match du jeune demi de mêlée, Zirakashvili. On reviendra évidemment sur ce match demain dans Jour de rugby qui suivra immédiatement le match Racing-Montpellier avec François Triot, avec Fabien Pelousse aussi sur la pelouse ici du stade Vélodrome. Malzieu face à Médard. Thomas Castagnède sera à nos côtés pour commenter notre demi-finale. Pas de main ! Allez, c'est le sursaut d'honneur de Clermont qui voudrait terminer ce match sur un score un peu plus flatteur. En essayant de passer au moins une fois la ligne toulousaine. Seigneau, on s'en sort pas. Il part la combe. Ouf. Sur cette première demi-finale, la logique aura été respectée. Le premier prend le dessus sur le quatrième. James. Joubert combine à l'avant. Et voilà, c'était le dernier ballon du match. Et Sansoni Boussa va le jouer pour lui-même avec ce coup de pied à suivre. Regardez encore les cannes de Rupeni. Sansoni Boussa qui ramasse. Va-t-il être repris par Debatti? Non. Et bien voilà, c'est lui le Fidjien fantasque. Sanso Rupeni Sansoni Boussa qui plante le coup de grâce. L'essai en contre. Toulouse est en finale avant même la transformation. Il n'y en a qu'un qui a couru sur cette action. C'est Rupeni, ce soit Nibusa. Le remplaçant de Vincent Clerc, forfait pour ce match, blessé aux côtes. L'un des gros paris du stade toulousain cette saison, de relancer ce Nibusa. Il avait du mal un petit peu dans le courant de l'hiver, mais depuis une paire de mois, eh bien, il a marqué les esprits, il a marqué des essais. Et Toulouse termine en fanfare cette demi-finale avec ce cinquième essai de la saison de son Fidjien, transformation de Bézi, score final 29 à 6 pour le stade toulousain qui est donc
en finale du championnat 2011. Messieurs. Oui, Dani. Ouais, avec David Skrela. Bon, David, ça sera pas ton dernier match avec Toulouse alors. Soulagé un peu. Ouais, c'est vrai que c'était. Pour moi, c'était un peu un match particulier, mais bon. Voilà, on a fait le job, on a fait un gros match. Dans l'intensité physique, dans ce qu'on avait programmé. Voilà, on met 29, on gagne 9 à 6, c'est énorme pour nous. Bon, mais là, c'est qu'une demi, on va bien récupérer. Et puis, voilà, une nouvelle finale, en espérant finir en beauté. Quoi. À titre d'info, ton genou, c'est quoi c'est... J'ai pris un coup derrière, je ne peux plus accélérer, donc voilà. Pas grave. Et j'espère qu'on en verra. Bon, pour l'instant, on va savourer ça, bien récupérer et puis se préparer pour cette samedi prochain. Quoi. Merci, David. Montpellier, ici même à Marseille, demain, 16h15, l'autre demi-finale qui opposera le numéro 2 de la saison régulière, le Racing Métro, à l'équipe de Montpellier. On va dire l'heureuse surprise de cette saison. Toutes les équipes de Canal seront là pour vous faire vivre ce deuxième événement du week-end. En attendant, 10 minutes pour avoir les réactions. Toulouse, Clermont, Toulouse est en finale. Clermont ne réalisera pas le doublé. Et je vous le disais, une finale sans Clermont, ça fait 5 ans que l'on n'avait pas connu ça. Et on va terminer ce match sur cette chevauchée galopante de Rupeni Sosoni-Boussa, qui n'a pas enlevé le sourire au manager de Clermont, Jean-Marc Hermé. Oui, Lagui, c'est Lagui qui nous appelle. Oui, avec Maxime Bédard. Maxime, je t'ai vu souffrir en essayant de suivre Rupeni à la fin du match. t'as remarqué ou pas? Ouais. C'est gentil de m'avoir fait remarquer. Non, mais c'est. Voilà. C'est-à-dire qu'on va parler sérieusement. Il y a un ballon énorme que tu arraches d'un Clermontois. C'est pas une balle de match, mais presque, parce que le score est serré à ce moment-là. Tu sens que c'est un ballon important, ça. Ouais, enfin, c'est ce qu'on travaille aux entraînements aussi. Donc, je suis content que ça paye aujourd'hui. Après, c'est moi aujourd'hui, mais demain, peut-être que ce sera un autre coéquipier. Donc. Voilà, tout le monde s'y file pour tout le monde et voilà, on voit la solidarité de cette équipe, le caractère. On a perdu une demi, mais aujourd'hui, on s'achète une finale. Donc voilà, c'est le bonheur d'une équipe, le travail d'une saison et voilà, rien n'est gagné encore. Mais c'est énorme. Et je t'embête parce que t'es essoufflé, je t'embête pas. Oui, dis-moi. Bertrand est avec Morgan Cora qui a la gentillesse d'avoir attendu à ses côtés. Merci Morgane d'être resté effectivement à nos côtés. Morgane, ce soir c'était pas le soir de l'ASM, on vous a senti pris dans tous les compartiments du jeu. Est-ce que vous avez eu le même sentiment au bord du terrain, sur la pelouse? Ouais, maintenant ce qui était embêtant c'est dans nos temps forts, on n'a pas su concrétiser. On savait hein, que ça allait être très dur ce soir. Maintenant je pense qu'il y avait les. Voilà, on peut féliciter le Stade Toulousain, il n'y a pas eu photo et ils nous ont bouffé dans les compartiments du secteur de la conquête et voilà, à partir de là c'est difficile, on a reculé, on n'a pas su mettre la main sur le ballon, on n'a pas su avancer comme on aurait voulu. Morgan, est-ce que physiquement c'est ça qui a pêché parce qu'on a senti une grosse entame des Toulousains, peut-être plus de fraîcheur, vous étiez fatigué avant cette rencontre? Non, on ne peut pas mettre là-dessus, on ne va pas se cacher derrière ça. Maintenant, on a eu par moments où on loupe Cédric Aymon sur une action qui remonte, étant fort, on aurait pu peut-être le prendre dans la but et derrière essayer de marquer. On transperce, on n'arrive pas à concrétiser, c'est tout. Maintenant, on n'a pas avancé et c'est ça qui est embêtant parce que ce soir, quand on voit Clermont, les supporters qui se déplacent, l'envie, on avait cette envie, mais on n'a pas réussi et c'est ça qui est le plus embêtant. Merci Morgan. Analyse sportive de Morgan Parra et qui reconnaît l'incontestable supériorité ce soir de ces Toulousains qui n'avaient jamais gagné au Stade Vélodrome de Marseille et qui vont savourer ce tour d'honneur. Philippe, c'est là, on va revoir nous les deux essais avec toutes nos équipes là dans le quart de Laurent Dom, Jérôme Collin, d'abord du Sautoir qui est avec la guille. Thierry du Sautoir. Oui, Thierry, ce match s'est joué sur la fraîcheur dans l'impression. Ça vous a fait du bien finalement ces trois semaines parce que vous terminez beaucoup plus fort qu'eux et vous commencez plus fort qu'eux. Je ne sais pas si c'est joué sur la fraîcheur, en tout cas on avait énormément d'envie, on avait vraiment envie de passer en finale après notre loupé en Coupe d'Europe. On a vraiment faim et bon, on a tout donné pour passer en finale. Maintenant il ne reste plus qu'un match et c'est super, quoi. C'est une belle satisfaction, mais évidemment, on a cette référence pour savoir qu'il reste encore une match très très haute à franchir. Il y a Jérôme Collin, notre grand statisticien qui est dans le quart, et il vient de remarquer un truc, il me l'a dit à l'oreille, t'as perdu deux étoiles là, sur ton maillot.
C'est vrai, ouais. C'est bon signe, Omar, puisque vous avez gagné aujourd'hui. Je sais pas, c'est peut-être pour mieux gagner le match qui suit, je sais pas, mais en tout cas, ça montre que le match était engagé, qu'il y avait aucune équipe à vous lâcher jusqu'au bout. Tu veux savoir qui c'est qui les a chourés parce que j'ai le nom. Tu veux savoir qui c'est qui te les a volés parce que j'ai les noms. Ouais, bah si t'as les noms, je vais aller récupérer tout à l'heure en coulisses. Ça marche, merci Thierry. Ouais, parce que des étoiles, il y en a quatre, hein. C'est les quatre titres de champion d'Europe du stade toulousain. La joie de Thierry Dussautoir, on revoit les deux essais. Philippe Sella, oui. un par mi-temps pour le Stade Toulousain. Oui, effectivement, avec un essai superbe en première mi-temps. On va les revoir, le temps de se caler dans le quart. Voilà, c'est parti. Oui, avec une touche gagnée des joueurs disponibles qui viennent en option. Et puis c'est Yannick Josion qui en profite, qui fait le break. Et finalement, il y a son 3-4-centre collègue Potono qui vient le chercher à hauteur, le ballon. Et puis Sosoli Moussa, doublé dans ce match, hein, qui fait le doublé, mais que c'est bien joué au départ dans le lancement de jeu. Des joueurs sont arrêtés, sont resserrés. Yannick Jezion prend un intervalle et surtout Clément Poitonneau qui vient faire l'effort de venir chercher ce ballon en hauteur. Et puis derrière, il va retrouver son 3 carré, le Rupini Sosoli Moussa. Sosoli Moussa qui sera toujours toulousain. Ils ont décidé de le prolonger, de le conserver dans l'effectif. Et c'est lui qui exploite ce ballon de contre. Un ballon récupéré, personne en couverture. Et puis tout le monde s'arrêtait pratiquement. Lui, il a tapé par-dessus comme il sait le faire, opportuniste. Bon rebond pour récupérer ce ballon. Et puis regardez, il embrasse le maillot. Il est tout heureux de marquer ce doublé. Philippe Neu, légende du rugby clermontois à jamais. Il a disputé aujourd'hui son dernier match sous le maillot jaune et bleu. C'est Mario Ledesma qui est aux côtés de Bertrand Guinot. Mario, merci d'être là. Philippe Sella, Eric Bail part d'une légende du rugby clermontois. Il y a aussi une légende du rugby mondial. Il y a la Coupe du Monde qui se profile, mais ce soir, c'est dur, c'est la fin. C'est la fin d'une aventure énorme qui a été conclue la saison dernière avec le bouclier. Mais ce soir, Mario, ça a été trop difficile. Toulouse était trop au-dessus. Ouais. Mais on a subi un peu partout. On a subi dans l'agressivité. Et ils ont fait, dans les premiers quarts d'heure, ils ont marqué une fois, ils auraient pu marquer trois fois. Et après, chaque opportunité qu'on avait, que ce soit en touche, en mêlée, dans les derniers 30 mètres, on perdait le ballon. Et après, ça devenait trop difficile. Eux, ils étaient dans une bonne dynamique. Nous, on s'enfonçait de plus en plus. C'est dommage de finir comme ça, parce que ces groupes, il a vécu tellement de choses. Et putain, j'ai pas trop envie de sortir de la pelouse. Il y avait Martin Celso qui était avec toi aussi. C'est la fin d'une aventure énorme. Est-ce que c'est la fin de... du top 14. Enfin, est-ce qu'on va te revoir en France sur les terrains, sur les championnats? Déjà, frôler la pelouse comme ça, sûr. Après, je sais pas, mais... Merci, Mario. D'émotions. Hein. Il y a les yeux rougis, il y a beaucoup d'émotions. Un grand bonhomme, Mario Ledesma, qui, croyez-moi, pourra revenir quand il voudra à Auvergne. Et les supporters de Clermont, lui... C'est un fidèle. Réserveront toujours un accueil.